volent mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère soit fière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir, mais qui est aussi le premier du mois. Pour ceux qui auraient loupé le coche, on avait dit quoi, une semaine sur deux, samedi canap, samedi JL, samedi canap, samedi JL, ouais. Et il se trouve que le samedi JL est tombé. C'est un jour spécial en fait. C'est comme un vendredi 13 genre, un peu. Ouais, oui. Bah ouais. Ça tombe à vendredi et ça tombe à 13. Non, ouais. C'est comme t'as d'un. Et du coup, pour cette occasion spéciale, eh ben, on va faire un conseil de classe spécial, puisque ça sera un conseil de classe X, un samedi JL. Ceux qui savent ce qui va se passer, et ceux qui savent pas, faut aller savoir. Oh. Pour l'occasion de ce conseil de classe qui est de retour, nous avons l'honneur de récupérer un soldat qui était perdu en mer. Ça fait quoi? Bah, frère, on est là pour même pas 10 heures, hein. Le lendemain on se répète. Tu pars quand? Demain 11h. Voilà. Il reste même pas 24 heures, même pas. Tu reviens quand après? Même pas. Dans 24. Deux semaines. Ok, tu peux expliquer pourquoi t'es pas là, parce qu'il y en a plein qui posaient la question de pourquoi Bichou n'est pas là. Et là, bonsoir tout le monde, je suis récupéré pour le mois de Ramadan et bah du coup je suis chez mes parents et puis bah je reviens à la fin du mois de Ramadan. Un kidnapping. Tu tiens le Ramadan? Oui. Oui. T'as raté combien de jours tu penses? Aujourd'hui. Parce que bah le voyage du coup, et demain aussi je vais rater. Hâte de te retrouver à la JLA ou c'est dans deux semaines mon ref, hein. Je deviens fou, hein, depuis que t'es plus là. Oui, Natos m'a dit que tu commences à le taper. Je l'ai juste tapé qu'une fois. Je me pointe à la maison, je pose les pieds, je fais un tweet direct. Si je suis trop content, je les ai retrouvés mes frères 5 minutes après. On me rase le crâne. Non, en fait en gros ça a dégénéré. J'étais fatigué et tout, tu vois, j'étais sous nuit blanche, j'avais juste fait une sieste. Et en fait Joey m'a passé la tondeuse et c'est mon instinct frère. Ah, genre frère, genre je me rappelle même pas de ce moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre c'est vraiment instinctif. Arrête, pas des claques des bus. Non, je monte au dégradé, je monte au dégradé. Je montre. Arrête. Mais ouais, je fais confiance, frère. Là, je mets ma main derrière le dos. Ok. Voilà. Oui, voilà, j'ai la main derrière le dos. Plus maintenant. Oh. Bon retour parmi nous, mon ref. Heureusement, je pars demain. Hein. Mon corps est là, mais pas moi aussi. Arrête, non, attends. C'est ça. Arrête, c'est ça. Non, c'est ça. T'es bon dans ça? Arrête les couilles, t'es ça? Attends, J'ai ramassé la tondeuse, j'étais tondu frère. Devant toi ça a l'air bien, ça a l'air tranquille, ça a l'air bien, carré, tout bien. Regarde, tu te tondes mon ref gros, c'est quoi? Non, c'est non, en plus faut savoir que là il a mis la... Joe il a géré. Ouais, Joe ouais, il lui a... Oh a fait... mon dieu. Je sens gros, il a fait un rattrapage de fou parce il y a que... Il un truc noir. Il a mis, oui voilà, il a mis de la coloration noire pour pas que ça se voit, pour pas que le truc se voit. Vous, vous savez pas, mais ça a pris une bombe de peinture, ça a attaqué le crâne de Bichou. Ici c'est froid et tout sur le côté c'est chaud. Oui c'est normal, t'as moins de cheveux à l'arrière. Ouais c'est vrai. Mais au moins t'as vu, je t'ai fait un câlin après. Ta gueule. Enfin bref, pour ce conseil de classe qui va être spécial, on s'est dit, il va falloir allier samedi JL, conseil de classe. Qu'est-ce que c'est samedi JL? On ramène les pépites de la JL Corp et on les met en avant. C'est à peu près ce qui va se passer au conseil de classe, sauf qu'il y a des pépites qui sont des vraies pépites et il y a des pépites qui sont un peu des sales merdes. Pépites, vous allez voir. De chocolat. Et du coup, on s'est dit. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pourrait être sympa qu'on prenne 5 JL. Donc vous allez les découvrir au fur et à mesure de l'émission. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces pépites-là vont défendre leur streamer préféré au sein de la JL House. Donc sachez que les gens qui vont arriver auront préparé un petit exposé. Plutôt que de se présenter chaque mois nous-mêmes comme on le fait, eh ben du coup, on s'est dit que ça allait être l'occasion. Comme on essaye de le faire. Comme on essaye de faire, eh ben on s'est dit que ça allait être l'occasion de les laisser faire. Ils nous ont préparé des trucs, franchement. Moi, j'ai regardé un petit peu à l'avance. Franchement, c'est bien sympa. Je vais demander au premier, à la première personne qui va passer pour ce conseil de classe. Attends, mais Thomas, c'est quoi un conseil de classe? Ben en gros, c'est un truc qui est fait pour qu'on se mette en avant, pour qu'on puisse se tirer vers le haut et pas se tirer dessus. Ou se tirer dessus tout court. Où on va se mettre des notes sur Twitch, YouTube, Instagram et TikTok, relationnel, hygiène de vie et taf. J'ai dit dans le mauvais ordre, mais en gros, vous avez. Oh, cette fois-ci, cette édition, ça a bien mentionné TikTok. Ouais, ça a bizarre. Ben là, on y est tous, donc du coup, en vrai, on peut le considérer comme, ouais. comme un vrai bug. On va commencer par Fake, qui est bien évidemment défendu par son ami, que dis-je, son frère, le défonce-man des défonce-man, qui nous a préparé un exposé. La Lollipocky Cake qui va tâcher d'introduire Fake et qui va le défendre pendant toute cette édition. Vas-y, mon champion. Ouais, ben... Faudra monter un peu son sang, je pense. Ça, c'est la merde de A à Z, c'est la merde. J'y crois pas. Mais on va essayer, on a essayé de vraiment mettre, voilà, de mettre tout ce qu'on peut du côté de mon petit poulain. Fake Monster, du coup, ben voilà. Après, on a essayé d'établir un petit document rapidement, mais c'était un peu compliqué, voilà. Du coup, alors moi, je voulais dire déjà une petite présentation parce que je me suis dit, on fait jamais suffisamment. Pourquoi il fait en plein milieu. Du coup, voilà, moi, je voulais rappeler que mon client, c'est un génie. Parce que ça.
Non mais c'est trop, frère. Non mais continue. T'es pas dans la caméra. C'est un génie, frère, j'ai dit c'est un génie. Il avait des qualités de ouf, professionnalisme, compétences multiples. Entre nous, il est démonté là ou quoi? Il est défoncé. Il est défoncé. Non, non, je suis super bien. Non. Non, c'est vrai, je te jure, c'est juste que c'était pas prévu comme ça pour moi dans ma tête. Et on dirait on présente la météo. Attendez. Professionnalisme, statistique groupe et statistique individuel. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Moi, je voulais dire que mon gars, c'est un professionnel. C'est peut-être même le plus professionnel de la JLA. Pourquoi? Parce que mon gars là qui est là, à chaque fois, il est super, super collectif. C'est-à-dire que c'est un groupe de base, et moi je trouve que c'est le meilleur co-animateur, c'est la meilleure personne que tu peux appeler à la rescousse quand t'as une petite galère sur LOL ou quoi, tu dis viens, il vient, c'est vrai, et je suis tout le temps présent. Non mais il a raison sur ça. Et ça c'est dans l'objectif commun des stats de groupe. Moi je trouve que c'est très bien pour les stats de groupe, parce que du coup tous les groupes, eh ben, ils récupèrent la bonne stat. Monteur, streamer, animateur, co-animateur, il sait un peu tout faire. Rapidité d'exécution, gestion des conflits, intervention au moment, propice. Ça veut dire quoi ça? Voilà, c'est un fast learner, et en plus de ça, ça veut dire il est posé des fois, il est défoncé sur le cadavre. Il a rien à faire, et si il voit une occasion, par exemple, il va voir Thomas, voilà, tu vois, il sait plus trop meubler et tout, fake directement, rapidité d'exécution, Thomas, j'arrive, c'est ça que j'aime bien. Si, il a raison, arrêtez, non, le dernier c'est ordonné et motivé, ah oui, ER en plus. Je mets ordonné et motivé parce que j'ai, franchement, pour l'avoir côtoyé ces dernières semaines, j'ai rarement vu quelqu'un aussi bien j'ai rarement vu quelqu'un aussi organisé. Il structure bien ses petits trucs, TikTok, machin. Donc voilà, franchement, c'est un petit génie, une petite pépite. J'ai réfléchi et déjà, je vous annonce aujourd'hui. Là, j'ai récupéré 4 photos de la concurrence sur Instagram de ce mois-ci. Bah oui, de la concurrence, vous êtes la concurrence là. Et j'ai regardé un peu, j'ai fait un ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre de likes qu'ils ont fait sur ces photos. Par exemple, Bichou, 13k likes là, 10k chez Nathéos, etc., etc. Et il s'avère sur la page suivante, vous allez voir, que le meilleur ratio abonné par rapport aux likes, c'est Fake. Il l'a. Voilà. Ça veut dire que c'est moi qui gagne. En plus, je me suis permis des petits commentaires artistiques. Voilà. Bichou, ben une photo qui n'a aucun sens. Nathéos, une photo de 2010 pour moi. Les perches, c'est de 2010. On est en 2021, mets-toi à la page. JL Tommy, frérot, ton décor, on le voit suffisamment pour que tu nous rebalances encore en sur Instagram. Amaru, ça j'ai dit c'est une pochette d'album de slam. J'ai dit ça c'est quelqu'un il a perdu, père et mère, j'ai dit c'est il est foutu. Mon champion, bah moi j'ai mis quoi mon champion, franchement y a rien à dire. Fake c'est 27% par photo. C'est très bien. Non mais c'est vrai. Il sort d'où ce chiffre, explique-nous. J'ai fait les calculs fils. Ouais c'est quoi les calculs. En premier, c'est Fake. Le deuxième meilleur ratio, c'était Nathéos, Amaru, Bichou et Thomas en dernier. Ok. C'est de la qualité de ouf, mon gars. C'est vraiment un bon gars. Certes, il a pas beaucoup stream, on est d'accord là-dessus. Pourquoi ouais. Les problèmes de santé, un peu le... comment ça? Non, en ce moment, ça va pas trop. C'est ça, c'est un peu là, voilà, c'est compliqué. Non, non. L'adaptation, non? Ouais, l'adaptation. Ouais. C'est moi l'avocat, tu parles. Ok. Vas-y, continue. Et... par rapport à ce que tu fais, t'es amplement au même niveau que les autres. Donc, un très bon rendement, franchement. Ok, ça va. Nous, on a dit, on n'en parle pas l'hygiène parce que mon gars, il est propre. Il a pas besoin de prouver qu'il change ou quoi, frère. Bah, il ouais, là, ça va, je suis en bon, tu vois. Voilà, c'est ça. Et le relationnel, ben, je peux rien dire parce que c'est trop le relationnel avec mon poulain. Voilà. En vrai, il a fait un bon truc. Donc du coup, on peut commencer. Voilà, on a eu toutes les informations. Bien défendu, hein. Possible et imaginable sur Twitch. Alors le contenu était vraiment qualitatif, c'est-à-dire que tout le monde a adoré. Mais pas beaucoup d'heures de stream. Malheureusement, pas beaucoup d'heures de stream, mais à cause du Ramadan, ça. Le Ramadan, le démarrage en pancote et les problèmes de santé. On les a. Oh, on les a. Fake, on les a. Aïe. Ouh. C'est rouge. 52 heures de stream. 52 heures. Mais frère, moi, je t'ai baisé. C'est rouge. Mais c'est rouge. C'est une semaine de travail, frérot. Bonne semaine. Ouais, parce que le démarrage, bon, c'était compliqué pour mon client. Et t'as fait quoi en stream, juste? J'ai fait... t'as joué à Trial Rising. Je voulais la faire, celle-là, non. Ouais, bah ouais. J'ai joué à Trial Rising, j'ai joué à GTA, j'ai joué à League of Legends, par contre, aussi. J'ai joué aussi à One Piece, c'est un jeu où tu regardes One Piece. Et j'ai joué à Battle Royale. Ah oui, GTA aussi. Eh bien, Fake, je te mets 6. C'est vrai qu'un contenu qualitatif est très bien à mettre en avant. Malheureusement, la quantité l'emporte. Ouais, je sais. Vous sortez pas un 3ème 6, s'il vous plaît. Non, moi, je sors pas un 3ème 6, je t'ai mis 5, mon frère. Je dois me montrer objectif. Fake, tu le sais que t'es mon frérot et tout. Et je te jure qu'il n'y a aucune violence là-dedans. Genre vraiment, objectivement, c'était très très pauvre. Et bien moi ouais, c'est rejoint par un 6. Tu vas me demander pourquoi? Vas-y, pourquoi? Et bien bah 52 heures de stream, bah c'est pas beaucoup. J'ai 3-6. Il faut... Non. YouTube. Il a fait une vidéo, on m'a dit. Ah, tu l'as pas regardé? Non, je l'ai pas regardé. Fake, faut que t'enchaînes compte dans le rationnel. Non mais en fait, j'en ai entendu parler aujourd'hui, cette vidéo. C'est quoi la vidéo? Tribunal des bannis. Bah une vidéo. C'est bien. Attends, c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est la première. Oui, c'est une vidéo de Fake, franchement, tu vois, faut l'encourager quand même. Moi j'ai une question, est-ce que tu comptes te lancer dans YouTube ou vraiment c'était une vidéo comme ça? Peut-être. Moi j'ai une idée, j'ai une hypothèse.
c'est que comme tu supprimes tes rediffs, ça t'arrange de mettre les rediffs sur YouTube. Bah oui et non. Et il est passé dans des best-of flashbacks. Moi, je tiens juste à préciser un petit truc en plus pour mon client, c'est qu'il monte ses vidéos lui-même, donc. Ah. Arrêtez de me mettre dans la sauce, monsieur mon avocat. Parce que c'est faux, j'ai pas monté ma vidéo du tout moi-même. Mais ça se voit au montage. Je te mets un 4 d'encouragement. Je te mets un 7. Wow. Non. Mais il a fait une vidéo. Non, je te mets un 5. Mais attendez, attendez. C'est fake qui sort une vidéo. Bah oui, mais 4, c'est déjà, mais c'est énorme. Et pour une vidéo. Pour moi, il faut être encourageant. Moi, quand j'ai sorti une vidéo. Vous avez été encourageant, il faut être encourageant. Écoute, avec lui. Lui, il va, lui c'est un trooper. Après, t'as commencé YouTube fin du mois. Là, maintenant, tout le mois, tu vas faire plein de vidéos et en fait, tu vas avoir un 10 le mois prochain. Je suis satisfait malgré que je sens qu'il y a quand même des petits gens qui veulent faire des coups de Trafalgar à mon client. Ça, on en discutera hors caméra. Instagram, TikTok. Est-ce qu'elle vous a plu? Oui. TikTok, ça se présente très très bien. T'as charbonné fake TikTok. Attends, il y a tout ça. Bah ouais, il y a plus ça. Il découvre son TikTok. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand il me disait oui, mais non, ça compte pas, c'est pas toi qui gères tes vidéos sur YouTube, nanana. Tout le monde fait pareil pour TikTok là. Tout le monde fait pareil. Mais c'est normal parce que ça, c'est un petit truc. Non, moi je poste les miens. Oui, moi aussi je poste les miens. Oui, mais les clips. Oui, les clips ils sont pas faits par moi. Bah voilà. Moi j'ai fait un TikTok. Oui, monsieur l'avocat. Quand vous partez sur le lien du TikTok et que vous regardez le TikTok et que vous regardez combien mon client a d'abonnés, si vous savez par quoi c'est passé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le chiffre qui est affiché, monsieur. C'est ce que je dis. Donc là, il a fait les chiffres. C'est ce que je dis. Mon client, il vise la stratégie de maximiser les stats. C'est-à-dire que c'est une photo à un moment précis quand il l'a. Et encore, j'ai mis trois photos sur la même publication, tu vois. Il y a trois photos là. Il y a trois photos dans la publication. Les résultats sont. Plus, il y a eu quelques petites stories dans le mois. Tac, tac. Bah, moi, j'ai mis 6. 4 pour TikTok et 2 pour Insta. Calomnie. Non. Je fais un plus. Avec un 7. Moi j'ai coupé la peau en deux, j'ai mis un 6,5. Eh ben moi je suis un petit peu le move 6 parce que TikTok et Instagram. Ouais. Mais t'as fait un TikTok super drôle. Wesh les gars, juste pour vous dire ça c'est bien mon compte, c'est pas moi qui le gère. C'est pas un fake. Enfin c'est moi fake, mais ce compte n'est pas un fake. Ouais. Ok. Ah bon? En gros les gens ils disaient que c'était pas un compte officiel de fake. Ouais. Et lui en gros il se filmait et il disait non les gars c'est pas un fake. Enfin si c'est fake mais c'est pas un compte fake. Et ça m'a fait beaucoup. Ouais c'est trop drôle. Ouais c'était pas trop drôle mais non, en vrai c'est si c'était marrant. Non mais ouais c'était drôle pour les gens qui trouvent ça un peu drôle mais moi je oui. Ça... Ouais c'est exactement ça. Parce qu'en fait moi quand je l'ai fait ça m'a pas fait rire mais je me suis dit ça va faire rire les gens donc je l'ai mis. Arrêtez drôle. De vous enfoncer ouais. S'il vous plaît. D'accord désolé chef. Hygiène de vie. On rappelle hygiène de vie, attention, c'est pas est-ce qu'on se brosse les dents, enfin si ça en fait partie oui. Aussi, tu vois. Mais c'est genre est-ce qu'on tient un rythme de sommeil, bon, qui est d'abord adapté. Il m'a regardé trop dans les yeux, il m'a fait. Il y a pas de rythme, gros. Un rythme de sommeil qui est évidemment adapté à la GLO, donc ça veut dire que si jamais il se couche à 6h du matin tous les jours, mais que tous les jours il se réveille à 18h, tu vois. Genre en gros, enfin je sais pas, en termes de maths. Tant qu'il est calé quoi. J'ai mis 8, pourquoi? Parce que les courses elles arrivent le matin, et le matin à la maison tout le monde dort sauf fake, et grâce à lui on a un frigo rempli parce qu'il réceptionne les courses. Je suis tellement que je me lève tôt, les gars, et vous me croyez pas. Je suis parce que là on est dans une période où il y a pas de sport. Mon seul sport c'est les courses. Pré-ramadan, il y avait ma meuf qui faisait à manger des trucs sains, ultra sains et tout, et fake c'était le premier à en manger, il était trop content de manger. Des trucs simples, tu vois, donc après, dès que le ramadan il a commencé, c'est parti en, en ouais. Bourrek, nem tous les soirs là, truc avec la salle gérée et tout. Ouais, moi, ouais, je suis et... désolé, mon fake, mais je suis pas un hypocrite et je te mets 6 pour la bouffe parce que ton rythme de sommeil il est éclaté. Tu fais pas de sport, c'est le plus apte à... Tu fumes pas. Frérot, pourquoi tu dépenses tellement de salive? Dis-moi, t'es une merde, je comprendrais, mais voilà. Qu'est-ce que je t'aime? Moi, ça sera un vote blanc, malheureusement, parce que je peux pas juger, évidemment. Relationnel, ça va, j'étais plutôt relationnel avec tu notes aussi, bichou là, par contre, que sur l'ordinateur, oui, que sur le virtuel, étant donné que tu nous as pas calculé pendant un mois, et ben tu mets une note adéquate. Ah, pas calculé sur un mois, ouais. À part quand on fait des tier list. Quand on a fait la tier list. Non, ok, non, mais ok, super. Soyez des faux frères. T'as pas donné de nouvelles. Je t'ai pas appelé. Je venais pas en vocal, menteur. L'œuf, wallah, tu m'as appelé sur mon bigot. Je ne t'ai pas appelé sur ton bigot, je n'ai appelé personne sur son bigot. Et bah voilà, t'as pas donné de nouvelles. Je suis venu en vocal sur Discord prendre des nouvelles. Et bien, j'ouvre avec un 9,5 fake. Tu illumines mes nuits, tu illumines mes réveils. T'as enlevé 0,5, sinon j'aurais pu te mettre 10 pour la fameuse It Text You quand vous êtes embrassé avec Thomas et que vous m'avez réveillé comme. My fils de pute. Brother. Allez, galoche. Regardez. Allez, galoche.
Ok, bah moi j'ai mis un 9 parce que Fake est tout le temps là. Tu cherches, tu sais où le trouver, tout le temps réveillé. Je sais pas combien de temps il dort par jour. My brother. Du coup, moi je t'ai mis un 7, mon ref, parce que bah je t'ai vu que sur l'ordinateur et les seules fois où je te voyais c'était à base de oh non, pas lui, nique ta mère. Mais ça mérite quand même un 7, ça va. Ne me descends pas. Fake, je te mets 9,8. Fake, attention, hein, ne me refais pas comme le mois dernier. Tu perds 0,2 points pour deux raisons, mais tu t'en rattrapes une. Il y a exactement un mois, tu m'as mis 6 en relationnel au conseil de classe. Donc du coup, tu as perdu 0,1. Mais vas-y, tu vois. De plus, le lendemain, Fake a juré par Allah qu'il me mettra 5 au conseil de classe alors que le mois n'a même pas commencé. Ah oui, tu l'as juré. Il y a un contexte. Oui, je l'attends. Le contexte étant que Thomas m'a repoussé dans mes derniers retranchements au point tel que je lui ai fait la gueule. J'en vienne à jurer cela, tout ça pour ça, enfin. T'as pas dit sur quel point t'allais mettre 5? Si, il a dit au relationnel. Oui, mais après il a dit qu'il le mettra et qu'il je ferai ce qu'il sera nécessaire. Par contre, là où tu rattrapes, quelqu'un dans la JL House a préféré rester jouer à l'ordinateur plutôt que de regarder le match de foot avec moi. Et par contre, Fake, lui, est venu. Donc ça rattrape, sachant que tu n'es même pas mon meilleur ami de foot, que tu as regardé les matchs avec beaucoup de passion avec moi et ça m'a fait plaisir. Donc 9,8 Fake. Alors, Fake, Samuel 10, Moustouf 7, Jus 9,1. Arrête de sortir les poubelles. 9,5, ce qui te fait une moyenne staff de 8,83. Samuel 10. Ah ouais, bah ouais, je l'ai payé en avance. C'est pour ça ? Non, c'est la vidéo aussi. Ouais, et la vidéo. Et le passeport. Et le passeport, ouais. Ah ouais, okay. C'est vrai que je fais un tac tac tac. Et Jus 9,5 pour les poubelles. Les courses. Et les courses. Il a tout compris. Le braco. Il sait à qui il faut s'en prendre. Silo-lé. Et j'espère que la malhonnêteté que vous avez eue envers mon client, vous l'aurez aussi envers les autres. Parce qu'il y a eu des gens malhonnêtes. Voilà. Merci, merci bien. Pour la deuxième personne, on a du beau monde. À partir de maintenant, là, ça va être de l'exclusivité. Ah oui, c'est toi qui vas y aller. Let's go. La deuxième personne qui va passer pour se faire juger au conseil de classe, donc ça va être évidemment mon gars d'Intéos. Un bon mois. Ok, ouais. Un mois, ok. Ouais, un mois. Tu penses que la personne que t'as choisi pour te défendre va te niquer? C'est sa première fois à la caméra, les gars. Je vous demande d'être super exigeants avec lui. Eh bien, Moustaki. Bienvenue pour l'exposé que j'ai fait pour ma reine qui est ici présente, Natos. Du coup, nous allons commencer par Twitch. Donc, dans un premier temps, pardon, nous verrons. Oh, il y a un dessin de toi, Natos. Il y a un dessin de toi, je crois. Oui, oui. Donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, nous verrons les statistiques de la chaîne de Natos de ce mois-ci. Ensuite, nous verrons tout ce qui est multigaming. Parce que j'ai fait pas fait que du GTA. Ouais. Et ensuite, les events. Parce que ce mois-ci, il a été un peu chargé niveau. Ouais, niveau j'ai événement, été chargé. J'ai eu un peu de. Donc, dans un premier temps, pardon, comme j'ai dit, les statistiques de la chaîne. Donc, oh, il a moins stream. Il a moins stream, mais il n'y a pas que du rouge, il y a du vert. Comme vous pouvez voir, par exemple, la première stat, il a eu une énorme hausse de 9 viewers. Il a eu 9 viewers moyens. Par rapport au mois précédent, c'est ouais, j'ai une petite hausse, ça va. J'ai quand même gagné plus de followers en streamant moins. Et tu sais à quoi j'ai pensé? Dis-moi. Je me suis dit que vu que t'es sexy, t'es plus attirant. C'est possible. Et peu importe les heures que tu streames 10 ou 100 heures, t'attireras toujours des personnes par ton... Ils sont à genoux par terre, j'en ai. Ah oui, mais parce qu'il y a des trucs partout, frère. Donc en ce qui est du multigaming. Ouh. Oh là là, non mais sérieux. Comme vous pouvez voir, on peut voir un drapeau arc-en-ciel de par ce graphique. Chaque couleur est un jeu différent. Ouais. Vraiment, oui. Tiens, Nathéos, un drapeau arc-en-ciel. Je vois pas ce que tu veux dire en fait. C'est de la polygamie de jeux vidéo. Il a tapé dans tout type de jeux. Ouais, donc majoritairement du Minecraft. Ensuite, on a du Rocket League, Trail Racing, Battle Royale, Royal, GeoGuessr, etc. Je suis un trainer. T'es un trainer. Je suis un trader. En ce qui est des events. Oh là là. Comme, je sais pas si vous vous rappelez, au début du mois, il y a eu le K-Culture. Que j'ai gagné. Thomas a gagné. Que Thomas a gagné en duo avec Nathéos. Il était invité. Ça reste une victoire après, pour la JL. Après, moi j'avais full bug. Moi aussi. Moi, j'ai quand même gagné. Plus. Moi j'en avais plus. La victoire revient à la JL et on prend tout. Il y a eu un tournoi Rocket League, un tournoi sérieux avec un cash prize. Il y avait participé avec Azuma et Drapa. Il a gagné? Malheureusement, on non. Participé. Il a participé à plein d'events, il a rien gagné. Mais frère, tu sais qu'il y avait des joueurs pro là-dedans. Ok, il y avait des joueurs pro? Bien sûr que oui. Et en troisième, nous avons le Top Gun du samedi JL. Il a gagné? Sur Minecraft. Il a pas gagné, mais c'est lui qui a eu l'idée. C'est vrai que c'est son idée. Ce Top Gun avec Ayoub. Et voilà. Ensuite. Ah, bon. Ah ouais. Du coup, TikTok Insta, pour illustrer, bien, pour mettre l'eau à la bouche, j'ai mis les deux meilleures photos que je pense, de mon point de vue, genre c'est les deux meilleures photos de Nathéos. Une photo où on voit son tarpé et un autre où il est sexy raffiné. En ce qui est d'Instagram, 8 posts, mais 9 en réalité, donc je trouve que c'est pas mal, il est beau dessus. Plusieurs types de photos, de positions différentes, il est trop beau cet homme. Mais il est trop facile à défendre, frérot, il a attends, tout c'est bien. Pas fini. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une seule photo, sans compter celle de Mora, qui est différente des autres. La photo là, avec Purple, qui a été replagiée par absolument tout le monde. T'as créé un concept. Ah ouais? Bah oui. Ah oui, Inox. Ouais. Enfin, après. Enfin, non, c'est pas Inox, c'est le mec qui l'a dessiné. C'est Elias qui a eu l'idée, je crois. Ouais. Mais c'est moi qui l'ai fait, donc je t'encule.
C'est de belles stats pour ton nombre d'abonnés. Et après, c'est logique, hein. C'était Nathéo. J'ai fait le montage tout seul et tout. Hein. Il a fait le montage en live tout seul, je me rappelle, sur Photoshop. C'est fait seul, il a posté seul et il a fait 20K seul. Et je traîne seul. Ensuite, TikTok. 10 posts si je dis pas de bêtises. Ah, ouais. Avec un en plus. Ouais, 12. Il y en a un en plus aussi. Bon, mais autant pour moi. Faut arrêter cet homme ici. Enfin bref, donc on peut voir 10 posts, les deux barrés parce que c'était le mois précédent. Donc ça commence par le post de Rocket League tout en bas. Ouais, bah je te regarde là. Ah oui. Ensuite YouTube. Aïe 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 YouTube. Aïe aïe aïe. Ah, ils font la même tête. Où sont-elles passées? Trop fort, hein. Il y a eu autant de posts sur YouTube que de fois où j'ai vu mon daron depuis ma naissance. C'est-à-dire zéro post sur YouTube. Mais il n'a pas rien branlé. Ah. Il a préparé des vidéos. Ouais, ben on le mettra dans le prochain. Dis-le quand même. Il y a une demi-douzaine de vidéos YouTube qui sont en préparation et qui seront prêtes pour le mois prochain. Demi-douzaine. Pourquoi tu dis pas 6? Je sais pas, ça fait comme les huîtres. Ça fait un direct. T'as raison. Ça fait trop. Ouais, je me suis dit, c'est beaucoup. En fait, ça fait 6. Ensuite, le relationnel. Je vous laisse admirer cette. Il y a une petite couille dans le pâté là, je trouve quand même, non? Oh la biche, j'étais. Loli, on dirait c'est vraiment lui, ça pue. Attends, mais c'est vrai. Le ramadan. Achi Nathéos, ici présent. Il n'a aucune origine, que ce soit arabe, musulmane. Qui fait le ramadan. Ouais, voilà, exactement. Pourtant, c'est efforcé de faire le ramadan avec ses camarades de maison. Un ramyamdan, mais un ramyamdan. Déjà pas mal. Ouais, c'est mieux que rien. Il fait. C'est quoi que tu fais comme ramadan? Il boit, il fume, mais il mange pas. Je bois, je fume. Et au moins le soir, on mange en bleu sang, tu vois. Donc voilà, c'est cool. Exactement. L'année prochaine, la circoncision, Inch'Allah. Vas-y, continue. Regardez comment je tombe du ciel. Nathos, il pose de l'eau sans savoir que je vais tomber. Et là, je tombe. Oh, et j'ai reposé un seau d'eau exactement là où t'es tombé, au cas où. C'est au cas où ça se décide. On m'a pas, j'étais pas dedans! C'est vrai que je suis resté. Il m'a oublié, il me le reproche, mec. C'est comme si Nathos, si j'ai un anniversaire, il m'invitait pas, il m'appelait et il me dit pourquoi t'es pas venu. Mais invite-moi, mec. Je suis pas invité à ton anniv, je fais comment? T'es resté super calme. Vas-y, envoie l'hygiène de vie. Et pareil, c'est un clip. Oh là là. Regardez-moi le. Ça y est. Là, à ce moment-là, j'en ai fait 100 d'un coup. 100? Ouais. Mais wesh, trop fort. Attends, tu fais 100 pompes d'affilée, ouais. Et tu te lèves à chaque fois? J'ai pris 5 kilos de muscle. Mais frérot, mais ça doit être... Y'a un petit moment drôle là, juste qui est arrivé, si vous voulez. Regardez, j'ai jamais vu des pompes comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? C'était pour m'étirer. Attends, mais celle-là, elle compte pas, j'espère. Ah non, elle compte pas. Après, on peut dire aussi qu'à chacun de ses lives, je sais pas, il donne une bonne image. En vrai, il est bien habillé. Ça se voit qu'il sent bon à travers l'écran. Il est beau, il est sexy, il a tout. Voilà. Et c'est la fin. Merci. Ah bien, Moustaki. Venez avec nous. La France. Twitch, Nathéos, on l'a vu un peu moins d'heures streamer, mais quand même diversifié quoi. Ça, et ça, c'est incroyable. 4 semaines de 40. Ce qu'on demande. Et ben moi, c'est un joli petit 9. Moi, Nathéos, je te mets 8,5 sur 10. Bah, parce que pas beaucoup streamé, sinon t'aurais eu 9,5. Et moi, j'ai eu 9, 8,5. 8, moi je t'ai mis, ouais. Parce que c'est un très bon mois et que tu t'absentes en stream pour venir manger avec nous et je trouve ça trop mignon. Je t'ai mis la modique note de. Oh, oh le suspense. 9 oh. sur 10. T'as été trop chaud, nanani, nanana, et voilà. Hein. YouTube, du coup, YouTube c'est 0 vidéo. Ah, je pourrais pas te faire de fleurs, mon frérot. Hein. C'est 0 vidéo, mais 6 en prépa. Oui, mais ça sera pour le mois prochain. Et des best-of Rocket League pour le mois prochain. Best-of, par contre, best-of Rocket League. Actuellement, je regarde ta chaîne YouTube, j'ai envie de te cracher dessus. Et on a failli se battre en plus dans ta vidéo. On a failli se battre contre le mec qui poussait sa meuf là. Oui! Oh putain, oh sérieux, on a failli sauver une femme. Dommage, on l'a pas sauvé. Oui, ah oui, non mais attends. Non, si c'est réel. Non mais bien, si c'est pas là, voilà. Non mais regardez, en gros, j'arrive à la maison. Elias et Nathéos, vous les connaissez, hein, c'est les plus grands guerriers de la JLA ou ça. Ils rentrent, ils me disent Thomas. Oh là là là. Ils me disent quoi? Ils me disent Thomas, on a failli se battre. Je dis arrête. Nathéos et Elias dans une voiture qui ont failli se battre. Je me dis, tu sais, j'étais quand même surpris, tu vois. Et je dis ouais, alors racontez. Et en gros, en fait, Elias il conduisait, donc avec les deux mains sur le volant à 10h10, non, bien non, évidemment, tu vois. Comme ça. Non, Elias à 10h10, les mains sur le volant, qui regardait ses angles morts, tu vois, genre tout à fait normal. Et en gros, sur le côté, vous m'arrêtez si je me trompe, vas-y. Il voit une femme en train de s'embrouiller avec quelqu'un qui pourrait être son mec, enfin un homme, absolument, quoi, en gros. Absolument. Et ça est devenu virulent, il l'a poussé un petit peu. Ouais, il commençait à s'entrepousser, tu vois. Ouais, voilà. Et en gros, les deux étaient dans la voiture en mode non, mais là, s'il va trop loin, j'y vais, moi. Pause. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le mec lui a mis deux patates dans la tête, la meuf elle était en sang, il a mis une balayette, sa tête a frappé par terre. Ils ont dit, ouais, attends encore un peu, attends encore un peu. On est pas sûr. On a commencé à lui mettre 40 coups de couteau, on a dit, oh, encore un peu, quand même, on sait jamais. Non,
non, non, non, ça s'est pas passé comme ça. Mais en très gros, ouais. On est presque sorti. J'ai coupé le contact. C'est vraiment la meuf qui retournait, qui allait le taper, tu vois. Donc, frère, on peut pas. Je les imagine trop, les deux, en train de regarder de travers, mais pas trop, au cas où le mec il s'énerve, tu vois. Donc, du coup, YouTube, écoute, moi, Nathéos, je t'ai mis 1 parce que t'es passé dans des best-of et que j'ai pas envie de te mettre 0 parce que franchement, t'as fait un bon mois et ça serait pas mérité, tu vois. Mais ouais, c'est un 1. Moi, je t'ai mis 3 parce que t'as affiché beaucoup de volonté, t'as fait descendre ton pote, tu l'as pris en stage, tu m'as ramené dehors, on a filmé et tout. Mais malheureusement, y'a rien, frère. Moi, je t'ai mis 1. Ça va parce que, bon, je peux pas mettre 0, c'est trop méchant. Je t'ai mis un petit 2 sur 10, best-of, tout ça, mais bah t'as 0, je peux pas truquer, tu vois. Instagram, TikTok, 6 posts. Ouais, non, mais frère, c'est 9. Quoi 9. Ah ouais, je sais pas compter. Ouais. Je te mets 9. Parce que. Mais le connard. Quoi? Pas cette story. Ça, j'ai fait 35 stories, j'ai regardé. Vas-y, fais voir. Ok, bah moi, en attendant, j'ai mis 10. Je lui ai dit, viens, on sort faire des photos. Il m'a dit, ok. Il m'a pris en photo et il m'a dit, bon, on rentre. Ça veut dire qu'il avait même pas prévu que je le prenne. Il est sorti juste pour moi, genre. Mais attends, mais si, ça c'est relou. Il y a pas de story. Monsieur, et il y a TikTok aussi, hein. El Duyero. Oh là là. Monsieur, merci. C'est un 10. Monsieur, merci. Non, c'est un 10 qui est mérité. Bah moi je l'ai mis 7. Plus TikTok, hein. J'ai mis 7 sur 10 plus TikTok. Non, je suis désolé, c'est... Oh, j'avais dit, frère. Fais pas le choquer. 12 photos par mois, frère. Le ratio, c'est 12, frère. Mais plus TikTok. Mais de 12 à 10. 7, là, ça. J'ai mal calculé, j'ai mal calculé. T'en as mis une. Je t'ai mis 6. Je te mets 8 et demi, ça te va? Ouais, vas-y, je vais te mettre 9. Vas-y, je lui mets 9 parce que sinon il va pleurer, bébé. J'ai pas le choix, bah j'ai pas le choix. Non, je mets 9, sérieusement, je mets 9. Bah, moi, je te mets 9,5. Voilà, 9,5 est une très bonne note parce que TikTok, j'attends que tu fasses des vrais TikTok et non pas les rediffs de tes streams. Oh, mais attends, lui, j'avoue. Oh là là. Oui, TikTok, hygiène de vie. Ah, t'es chiant. Bah, GG à toi pour ce truc de classe, Nathéo. Bah, oui, mais voilà, non, mais c'est trop facile. Ça y est, frère. Frérot. Je te mets 9. Moi, je te mets 9 aussi. Oh là là, mais frère. Triple 9. Mais oui, il fait du sport, il mange bien. En fait, triple 9 parce que, ouais, c'est obligé. Ça nous va, ça nous va. Mais combien? 9. Relationnel. Moi, je te mets 7 comme fake. Parce que okay. Du coup, bah, je venais quelques fois comment sur ça, Discord. Comme fake. Bah, parce que. J'ai fait... même pas encore donné ma note là, en fait. Mais non, mais non, non mais t'as pas compris. Ah, comme un fake. Oui. Ah. Parce que du coup, les quelques là, fois, c'est pas, je suis venu sur social. Laissez-le parler pour une fois qu'il parle. Comment ça? Pour une fois que je parle, je parle depuis le début. Bah, ça y est, je vais plus parler. Là, c'est social. Ouais. Attends, on laisse bichou. Non, ça y est, je vais plus parler. Je t'ai kiffé vos mères à me regarder, vrai. Je continue, qu'est-ce qui vous arrive? 7 pourquoi, bijou? 7 parce que les quelques fois où j'étais sur mon PC que je me disais, tiens, je vais aller voir mes frères de travail, et ben il y avait pas toi, et des fois après, pour ta défense, on joue à GTA et beaucoup à LOL. Mais Elias et Nathéos jouaient à Valorant. Te mets 8, j'aurais pu te mettre 9. Mais le 0704, j'ai noté. Nathéos, qui est mon meilleur ami de foot, préfère jouer à Minecraft plutôt que de regarder le match avec moi. Ah non, là, ça a été une déception je ultime. Tu perds 2 points pour un truc, fait qu'il a perdu 0. Non, t'en perds qu'un. Non, t'en perds qu'un. Tu perds qu'un point. Ah, ok, c'est notre le reste parce que le reste. Ok, moi j'ai mis 9,5 parce que t'es le premier qui m'a suivi sur Valorant. Fake 8. À un moment donné, il m'a réveillé à 16h de l'après-midi avec sa voix. En fait, ouais. Tu dors pas. Ouais, mais tu dors réveillé, jamais, frère. Mais tu dors tout le temps. Et genre vers 21h, je vais me coucher et je commence à être bien, tu vois. Et genre 21h30, un truc comme ça, tu vois. Ouais, je les mecs. Oh non, j'ai dit oh non, ah, frérot. Ouais. Je me souviens de ce soir. Mais en fait, je suis pas live avec Bud sans rien. Non, moins, mais parce frère, que vous avez tout frérot. T'as vu, est-ce que je t'ai envoyé un message? Tu stream, c'est ton taf, frérot, et c'est moi qui dors. T'es très très fort. Non, non, j'ai acheté des boules caisses d'ailleurs. Non, mais voilà que je le pense. Je le pense. J'ai serré les poings et j'ai dormi, frérot. Pas de problème. Y'a pas de galère. De toute façon, je dors pas d'habitude. De toute façon, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi quand même. Ouais. On a du staff. Samuel qui a mis 9, Moustouf 8 et Jude 10. T'as sorti les poubelles. J'ai fait trop de trucs sur moi. Merci de m'avoir invité. Bravo, avec plaisir. Nathéos. Elias, c'est ton tour. Elias, tu penses avoir fait un bon mois, toi ou pas? Ouais. Est-ce que t'as une chance de vaincre Nathéos là? Ouais, peut-être. Pour défendre Elias, mon gars sûr, notre gars sûr, leur gars sûr, votre gars sûr, JL Franklin, la tortue, voilà, la tortue qui a préparé. Franklin, il a arrêté l'école en 3ème. Et c'est pas une vanne. Donc du coup, on lui a demandé de faire un exposé. Il ne savait pas. Il m'a dit c'est quoi déjà un exposé. Et genre vraiment, c'est vraiment vrai. C'est pas des lol. Mais il l'a fait. Il a fait l'effort. Et donc Franklin, bonne chance à toi pour défendre le petit Elias. Hein. Ah les gars, ça va quoi? Pour les mecs, moi j'ai fait un diapo. Pour ma défense, Franklin, ça fait 2m15. Pour ma non, défense. C'est pas vrai. Si. Bon ça, les gars, c'est la scène d'intro en gros. Bon les gars, Elias, il a fait différents types de contenu sur internet ce mois-ci. Donc il a fait des live Twitch, ça vous le savez. Des tweets humour. Des TikTok variés avec des best-of de live et Instagram. Bon les gars, il a fait un contenu très charburé sur Twitch ce mois-ci. Charburé, ça veut dire quoi déjà? C'est le mot que j'ai inventé, c'est charbonné et carburé en même temps. Du coup, il a fait une grosse amélioration au niveau du gaming ce mois-ci, vu que le mois d'avant, comment il avait reproché de pas stream assez de gaming, 2 heures seulement. C'est vrai que là, il a tartiné les gars, il a fait principalement, bon, vous connaissez du GTRP avec un perso masterclass, il a fait du Valorant, il a fait du LOL, il a fait du Rocket League, putain, où il est passé diamant et aussi où il chill avec ses friends, du Battle Race pour la Zilan, du Warzone, du Just Chatting comme vous le savez, cet homme
met trop fort en just chatting. C'est vrai que j'ai fait un concours d'euros. Il a fait des concours d'euros ouais, sur Discord et c'est du jamais vu. Des crashs de Discord de serveurs inconnus. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait crash. Il a fait plein de trucs, moi. Ce qui est vraiment pas cool d'ailleurs. Quoi ? C'est pas bien. Bah oui. Ils étaient trop contents. De crash des serveurs ? Ouais, qu'on vienne sur leur serveur. Oui, on a fait gagner les membres. Bah oui, c'est bien, comme ça après les gens ils vont se dire ah ouais, les gens ils sont contents, on va faire sur le serveur jobless. Monsieur l'avocat, faites votre travail s'il vous plaît, parce qu'il y a un individu au sein de la. Tout le monde a rigolé, tout le monde a kiffé. Voilà. Ça a fait des stats. De la régularité sur YouTube, grâce au monteur incroyable que tu as. 4 vidéos sur différents best-of de live montés et dynamiques. Les 4 vidéos cumulent 271 000 vues. What sur the le fuck mois. Presque 100 000 abonnés. What the fuck. Et bientôt à 100 000. C'est moi ça. Oui, c'est toi ça. Ok, ok. Il y a trop de fautes d'orthographe, je suis dégoûté ça. J'ai demandé à ce qu'on me corrige, on m'a dit non, vous laissez 4 vidéos sur différents best-of avec 2 F, ça veut dire éteint en anglais. Voilà, c'est le meilleur des J'aurais fait la même chose. Hein. Ok. C'est pour moi. Monté et E. Son activité, et là je me suis trompé, son activité et impact sur Twitter s'améliore. Il y a à peu près un tweet par jour. Okay. Les tweets ils sont drôles, je fais des bonnes vannes, je fais des bons tweets marrants. On s'en bat les couilles de Twitter. Ouais, dommage, mais c'est bien. Ça compte. Non, ça ne compte pas. Il fait tout cet homme, il faut tout dire. Ensuite, il fait des débats et des partages d'infos. Donc voilà. Productivité hors norme sur TikTok. TikTok, t'as défoncé ça ce mois-ci. Donc t'as fait 18 TikTok au mois d'avril avec des best-of, des clips de live, des duos avec Nathéos. T'as fait des petits TikTok. T'as fait des petits TikTok simulés avec Nathéos. Sinjend. T'as mis un chat aussi, t'as mis des animaux parmi tes TikTok. Ouais. Un chat de la maison, donc c'est bien aussi. Et de la régularité monumentale. Merci. Voilà. Bientôt les 100K sur TikTok. Mais ouais, mec, je suis monstrueux partout, en fait. Des photos sexy et raffinées. 5 photos au mois d'avril, une vidéo de placement de produit. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, pour, c'est vrai, ouais. C'était quoi les pattes ? Est-ce que tu peux donner un peu les backstage de ce placement avec les nouilles ou pas, Yass ? Oui, je peux en parler. Et il se trouve que cette société m'a demandé de refaire la vidéo 8 fois. La première fois, c'était parce que Thomas était passé à côté et il disait pour le coronavirus, c'est pas terrible. Et je leur disais qu'on était en coloc et comme c'était des Allemands, ils m'ont dit c'est pas notre problème. Oh le raslar. Non mais ils ont dit un truc comme ça. Wow. Oh le raslar. Utilisation de la nature, t'as pris des photos dans la nature, t'es sorti de chez toi, t'es parti voyager un petit peu et t'as pris des photos à l'extérieur, donc ça c'est bien. Ouais. C'est vrai, voilà. C'est vrai. C'est... Merci de votre visionnage les gars. Voilà. Oui, en fait t'aimes bien quand c'est concis toi. Ouais, moi j'aime bien quand c'est concis. Ok, heureux. Il avait les bonnes infos. Ça dépend des gens, il y en a qui aiment bien quand on est à de la science, il y en a ils aiment bien quand on est concis. Quand t'es concis et Nathéos. Oh, oh moi aussi je voulais. Eh ben franchement bien joué, un bon exposé. Le Japon il était pas... Bah après le Japon c'est bon frère, on j'ai est pas... Fait comme j'ai pu... T'as arrêté l'école au collège. J'ai fait des grandes études mais sur le papier c'est pas encore écrit, ça met du temps. Du coup Elias Twitch, attends si, on veut juste le nombre d'heures. What the fuck. 82 c'est ton record wesh. C'est mon record all time. Non mais ouais c'est vrai que je suis assez monumental. Regarde, je vais te poser une question Elias. Est-ce que t'as fait des sessions sur un jeu, League of Legends, Valorant, Warzone, qui ont duré plus de 2 heures? Oui. Il a fait des gros rush le long, des matinales. 2h, 2h30. Des grandes matinales. Et là récemment il fait aussi beaucoup de matinales sur d'autres jeux pour l'Asylum. Ouais. Il fait plus de 2 heures, ce que tu l'avais reproché le mois dernier. Tu peux rien me reprocher ce mois-là, ça. Vous travaillez approfondi. Bravo. Oh, le bloc-notes peut-être. Attends. Je cherche. C'est relationnel là. Non, y a rien. 9,5. Écoute, t'as fait un travail remarquable ce mois-ci. Tous ceux qui sont autour de cette table devraient prendre un exemple. Et voilà, force à toi, force à ta famille et ton entourage. Je suis Sartek. Je sais reconnaître quand tu travailles et franchement, je suis content que tout ce qu'on s'est dit un petit peu le mois d'avant, eh ben, après je sais pas si tu t'es dit j'essaie de le faire ou vraiment genre juste à ta fin des clics et tu t'es dit ouais peut-être et tout. Ouais. Ça fait quoi de jouer aux jeux vidéo sérieux? C'est trop bien. Mais merci monsieur. Bah oui. Jean chéri, plus 0,2. Waouh. Parce que je t'aime un peu plus que les autres. Oh c'est 0. Eh ben moi c'est un joli petit 10. Waouh. Wow wow c'est mérité, c'est mérité. Ça va frère, ça va. À part avec la cyprine de... Il veut nous mettre dans la porte. YouTube. Combien de vidéos déjà sorties sur YouTube? 4. Montée carré. Ah non, il y en a une, c'est pas un best-of. Le Discord? Ouais. C'est pas un best-of. C'est une rediff, non. Mais bien coûteuse. C'est une rediff quoi, enfin, c'est un truc de... Ouais mais c'est pas un best-of. Oui, donc, d'accord, donc, je... Oui, ok. C'est une rediff mais c'est déjà... Coupé et le titre de ma dernière vidéo est super marrant. Oui. Et tu sais quoi Elias, je vais tout à fait honnête avec toi. Normalement je clique pas sur tes vidéos. La dernière j'ai cliqué. Ah ouais. Parce que frérot, genre en vrai je me suis vraiment dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lui a mis 8. Ouais. Parce que il tient ses vidéos, il est régulier, 4 vidéos dans la semaine à une bonne heure, c'est 19h si je me souviens bien. Ouais. Mais perte de points parce que c'est des rediff ou des best-of et non des vidéos travaillées comme il faisait avant. Et ben il a dit exactement. Voilà. Je t'ai niqué frère, je t'ai niqué. Ah moi je te mets moi pas moi. Ouais bon, ouais voilà. Ouais. Non je j'accepte. Ouais c'est aussi pour fake. 7 ouais. Enfin. 7 pour fake. Même moi je me dis que même moi ma vidéo elle pue sa mère vu que c'est une rediff. Je me dis sur YouTube tu vois faudrait faire des vidéos où on. C'est vrai. C'est vraiment travaillé tu vois. C'est pour ça qu'on lui a enlevé 2 points. D'ailleurs j'en profite ce soir il faut absolument nique tes morts. Non mais t'inquiète.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, ouais? J'ai eu une patate. Là, je vais parler comme un palas. J'ai parlé comme un balas là pendant une demi-heure, je suis rien comprendre. Mais Miskin, son œil est tout rouge. En fait, je faisais ça comme ça et je suis allé de plus en plus loin. Ça attaque mon avocat. La régie, on peut avoir un point en plus? Non. Outrage. Instagram, TikTok. Ah, 6 photos. Je crois qu'il y en avait plus. Ta dernière photo, on est en 2016, sale bâtard. Elle est incroyable. Les photos perche. Attendez, ce ne sont pas des photos perche. J'ai acheté un objectif œil de poisson, ce n'est pas des photos perche. Mais oui, t'as juste à faire comme ça et avoir ton petit objectif et tu te prends en photo. Ouais, exactement, tu l'as. Est-ce que tu l'as? Et TikTok, niveau TikTok, s'il vous plaît? J'arrive même pas à compter. Ça, c'est incroyable. Ça. Je commence, je te mets 9. Merde, sérieux. Si photos Insta, c'est pas assez. Ouais. Ça, TikTok, ça rattrape tellement. Et j'ai fait un réel Insta. Merde. Attendez. J'ai fait un réel Instagram. Qui a fait un réel Instagram ici? C'est vrai qu'il a fait un réel. Il a fait un réel. Moi, je te mets 8. En fait, en gros, t'es performant et tout. Mais c'est un 8. C'est très bon. Mais oui, c'est une bonne note. Mais 9, c'est une trop bonne note. Ouais, c'est un point d'écart. Non, parce que 9, ça veut dire que t'es presque parfait. Grand amour, tout ça. Mais je t'ai mis 7. Je trouve que c'est quand même une bonne note. Ouais, c'est une bonne note. C'est juste qu'en fait, au niveau d'Instagram, moi, tes deux photos, tu m'auras pas comme les autres. Tu les as bien baisés, mon frère. Et ben, moi je suis avec un petit 8. Ah, merci. C'est un petit 8, c'est pas un grand 8. Comment? Quoi? Hein? Oh, hein? Un grand 8. Oh, pas d'attraction. J'ai fait exprès. T'es fort! Oh là là! Et là, on fait genre qu'on a mis qu'un truc de fou. Mais mettez la caméra sur eux, putain, la régie, pitié. Oh, et qui? Tu niques mes blagues, sérieux, tu niques ma vie. Depuis tout à l'heure, ils entendaient ah, ils comprenaient pas ce qui se passait, les viewers. Hygiène de vie. Pourquoi? Waouh. Voilà mon cœur, je ne crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait Si tu veux la parole, tu lèves le doigt, je la donne. Il était 22h30, frérot, hein. Torse nu avec un short rose. Elias, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Non, c'est vrai pour l'instant. Il a fait une bichou, il s'est gratté le ventre comme ça. Oui, c'est vrai. Il était comme ça, nous on était là en train de regarder la télé. Il a fait. Ah, et après il a fait. Il a mangé. Il fait une nuit blanche avec moi. Ouais, comme ça. J'aime trop dire ça. Son rythme de sommeil est tout sauf volontaire. Il faut l'admettre. Ça t'a rapporté des points par rapport à Twitch. Mais en hygiène de vie, frérot, c'est. Voilà, c'est. C'est vrai qu'il s'en sert bien. Hygiène de vie, je te mets 6. Tu peux pas, mec. C'est impossible. Pourquoi? J'aurais eu trop attention. Ce que je mange, genre, je me suis acheté des salades carrément. Oui, mais c'est, ouais, c'est vrai. Tu gagnes des points. Tu peux pas mettre 6, mec. C'est impossible. Attends, je réfléchis. Je te mets 7. Ok, je suis à 7. Je te mets 7 parce que c'est pas une note méchante quand on la voit à première vue, mais quand même, ça l'est un peu. Ouais, vas-y, je suis avec un 7. Mais bon, sommeil de merde. Ça fait 10 jours. C'est qui, Elias? Non. Ah, si, je vois. Ah, vraiment? Ah, oui. En vrai de vrai ou pas? Frère, pour que Nathan s'il réagisse comme ça. 7. Bijou, moi vote blanc parce que je peux pas savoir, oui, mais du coup blanc. Je voudrais aussi enlever la note que j'ai mis à Nathos parce que je sais pas pourquoi je l'ai noté. Ah oui, par rapport au mois dernier. Depuis tout à l'heure, je réfléchissais. Vous retirez l'hygiène de vie de Bichou sur Nathos. Relationnel. Alors, je te mets 8, ce qui est pas mal. Mais là où tu as perdu un point, Elias. Ah non, ça Thomas. Ouais. Regarde, si tu me le donnes premier coup, je te remets 9. Là où j'ai perdu un point. Là où tu as perdu un point. Un truc par rapport au custom LOL. Quand j'ai quitté les custom parce que ça voulait pas changer les équipes. Qu'est-ce qu'il est fort, sérieux. Non mais bon, sérieux, mais monsieur. C'est toi ton avocat. Mettez-vous en fait. À poil s'il vous plaît. Bah en fait je vais te dire pourquoi j'ai quitté la custom. Parce que j'étais déjà venu une soirée, tu vois. Ouais. Et bon, je dis pas que les autres c'est pas mes amis, tu vois. Mais genre je voulais jouer avec vous. Et pendant une soirée j'ai joué avec des personnes que je connaissais pas. Et j'ai dit ok, pas de problème, tu vois. D'accord. Et là 2-3 jours après quand je suis revenu pour faire les custom, bon les mecs, la dernière fois j'ai tanké, j'ai pas joué mid alors que je voulais jouer mid, j'ai pas joué avec mes potes alors que je voulais jouer avec mes potes. Est-ce que cette fois on peut faire des équipes? Non. Et tu m'as dit non. Dommage, j'allais te remettre un point mais je vais rester sur un 8. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise foi. Bah moi du coup j'ai mis 9 parce que je vois un petit peu moins que le mois dernier. Tu mets 8,5. Parce que tu me fais de la peine. Je suis venu te supplier de jouer à Valorant avec moi. Et j'ai fait un débat avec toi qui était très intéressant et très constructif et tu as donné de très bons arguments, merci beaucoup. Wallah que ça sera un 7 et ça ne bougera pas. Quand t'as dit tu me manques à fait, il t'a répondu nique ta mère. Mais c'est affectif quand tu me dis nique ta mère un peu. Bon après madame on est regardé le live, tu vois, Starfalla, il t'a matrixé, hein. Il t'a matrixé mec, il peut te tabasser et te dire c'est par gentillesse, tu vas lui dire merci. Merci de me frapper mec. Mes couilles. Oh, il est beau. Ouais, je m'attendais pas à mes couilles à la fin. Vous agressez mon client. Nique ta mère. Oh. Deux points la régie s'il vous plaît. Bah moi je t'ai mis 9. Attends, celle-là c'est social hein. Ouais. Bah moi je t'ai mis 9 parce que on passe des bons moments ensemble. Ah non, bah j'ai envie de te mettre 8 au final. Pourquoi? Non frérot, attends, t'as abusé ce mois-ci, wesh. Oh. Parce que ouais, ça c'était le mois dernier frérot, mais là ce mois-ci. Oh frérot, tu passes plus à la maison en haut. Comment? Tu passes plus au deuxième. Eh moi je fais que venir en haut hein. Le deux. Bah ouais, il passe tout le temps au deux lui. En gros regarde, fait que descends, tu m'as dit je peux pas, demain, je t'ai dit, fais pitié, descends 20 minutes, pitié, fais. Ça ne fait partie que d'un jour sur tous les trucs. Après c'est vrai, c'est un vrai. Demi-point, un demi-point.
Il a mis 22. Oh, mais j'ai leak. Mais oui, t'as con. Hop. Donc voilà. Mais en plus, attends, comment ça il a les. Je suis trop con. Attends, par contre, voilà, moi je troll pas, comment. Non, mais je peux pas dire, c'est pas... un truc. Oui, ah bah non, il a pas vu sa vidéo. Quoi dire... Les gens comprendront quand ils regarderont ma vidéo, c'est tout. Et voilà que je troll pas, mais moi je suis pas au courant. Enfin, en tout t'as cas, pas voilà vu que ma je... vidéo. Voilà, je crois pas être au courant. Bah, déjà, toi pour le leak, Elias, en tout cas. Non, du staff, s'il vous plaît. Samuel, il t'a mis 9, mais il t'a mis 9, juste t'a mis 8. Let's mais go. Tu fais une moyenne de 8,66. Mais Jus. Mais c'est pas ton attentat, hein. Mais ouais, mais justement, frère. Mais mec, Jus, j'ai fait tourner son linge, j'ai séché son linge, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait trop de trucs, mec. Merci, mon ami Franklin, d'être venu pour défendre Elias. Oh, je vais appeler l'avant-dernier invité qui va me défendre à moi. Ok, mon ami JL Johan qui est là. Salut à tous les mecs. Fais ça bien parce que tu sais ce qu'on s'est dit juste avant de faire ce live. Tu peux rappeler ce que je t'ai dit? Il m'a dit si je gagne, je passe fondateur sur Flashback et si je perds, je suis ban JL. Donc t'as intérêt à faire une bonne perf, mais te mets pas la pression, mon ref. Non, ça va. J'ai fait un beau diapo, j'ai fait le travail. Je l'ai fait sur téléphone, je tiens à le préciser, mesdames et messieurs. C'est parti. Ok. On va commencer par Twitch, très calmement, avec son personnage RP, évidemment, qui est devenu emblématique tout au long de ce mois-ci. Il a lancé le mois en continuant Selim Brabus, vous l'avez vu. Et ensuite, il a enchaîné au cours du mois en créant, en améliorant. Migo l'a raconté, et il a créé une masterclass. Ouais, alors que c'était un personnage secondaire en plus à la base. Personnage secondaire, et je l'ai spécifié dans le diapo, un personnage secondaire qui est devenu principal. Ouf, voilà, donc Thomas commence officiellement avec son personnage Miguel. Miguel passa rapidement, personnage secondaire à personnage principal. Comme Soulax. Oui. J'ai quand même rajouté un petit point, mais c'est quand même un point négatif qui améliore et qui envoie beaucoup de points positifs. Thomas crie énormément quand il incarne son personnage, mais ça prouve au moins qu'il le fait très bien. De tout mon cœur. Fais voir la photo de Miguel. Il est incroyable. C'est mon meilleur perso, t'es incroyable. Oh là là. Il est tellement beau. Il est tellement beau en Deadpool. Il a pour habitude d'être le boulet de son gang, comme vous le voyez avec Lorio. C'est un supplice pour son gang, mais au moins il l'apprécie. Voilà, il est attachant et je l'ai noté. Hein, bonsoir. Petit point statistique, mesdames et messieurs. Oh là là là. Ah, je pouvais pas faire un exposé sans parler des stats. Je pense que je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Pic de fou, sérieux. Voilà, complètement. What the fuck, voilà. Et attendez, je crois qu'on m'a dit dans l'oreillette que le pic a été battu. Ouais, je crois ce soir là. Le pic a été battu. Apparemment, on verra plus tard, mais ouais, apparemment soir, ça a été battu. Le Coran, what the fuck, voilà. Le sub goal des 10 000. Ça sera fait. Et je vous donne ma parole en ce conseil de classe, les frères. Le voyage à Las Vegas sera fait au grand détriment de toute ma famille. Par contre, ma famille, ils sont en mode à quoi tu joues. Ils sont pas chauds, mais bon, je leur ai dit écoutez. Fait qu'il n'y a pas quelque chose de fou non plus parce que vous voyez pas à la cam le chat. Si, Fake est chaud, Fake est super chaud. Non, mais moi je suis chaud. Fake moi, aussi, je vais il est chaud. La... Je vais pas faire la meuf, c'est toi qui fais la meuf. Mais je te jure, c'est toi qui fais la meuf. T'as les cheveux longs, frère. Mais je te jure, c'est toi qui fais la meuf. C'est impeccable. Mais tu vas mettre la robe de mariée comme au TVG. Blanc, c'est impeccable. Oui, d'accord. Fake en robe de mariée en plus, il est magnifique. Ah bah ça a l'air. Tu l'as vu en princesse? Oui. Ouais, il est incroyable. Il faisait un corps bombé de fou. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Les Twitch Rivals. Aïe aïe aïe. Événement qui a été international, organisé par Twitch US évidemment. Malheureusement, un gros point négatif, une prestation. Au-delà du gaming, prestation médiocre de la part de l'équipe de Thomas, mais l'événement était, et vous le savez, très mal organisé. Oui, mais on leur en veut pas. Non, on leur en veut pas. C'est pas de la faute de Twitch. Bah non, mais ça fait partie du jeu. Non, il y avait un mec, mais en vrai c'est à cause de Call of. On vous en veut pas Twitch. Ouais. Mais en gros Ben, moi je lui ai dit je vais faire un Twitch rival. Il m'a dit ah ouais. J'ai dit ouais. Il m'a dit ok. Du coup je l'ai fait, tu vois, mais merci Ben. On a fait toutes les games en plus. On tient à préciser que Thomas a fait un mois exceptionnel. Instagram. Alors là, c'est un post Insta avec deux photos sur les trucs de slide. Bon, évidemment, Thomas est beau. Thomas, ici, est encore plus beau. Voilà. Je rends à César ce qui appartient à César. Depuis peu, j'ai engagé ma sœur. Du coup, c'est elle qui m'habille. C'est un peu ma styliste et tout. C'est pour ça que vous voyez en ce moment, je suis bien sapé. J'espère au moins, le chat, que vous le remarquez, que vous dites ouais, Thomas, il est bien sapé parce que c'est elle là qui me fait mes petites tenues, qui me choisit mes sapes, elle me commande les vêtements, les casquettes, les trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'elle contribue à ma beauté. C'est elle qui m'a fait une tresse là, regardez. On remercie la sœur de Thomas pour ce merveilleux style vestimentaire. Prochaine photo, attention. Alors là, une paire de chaussures parfaitement blanches qui porte actuellement au pied d'ailleurs. Ouais. Un style vestimentaire, comme il l'a précisé juste avant. Qui est juste parfait. Et une posture très charismatique, un regard au loin. Je fais des semblants. C'est un moment de vie. Un super moment avec son animal de compagnie. Eh oui, Sinjet, vous connaissez tous. En plus de bijoux. Pas mal. Et ensuite, une deuxième photo à côté d'un écran plasma de très haute qualité. Enfin voilà, c'est juste exceptionnel. YouTube. Alors là, non mais c'est que des points positifs en fait. Ce mois est juste incroyable. YouTube, mesdames et messieurs. Oh non mais sérieux. Ah oui, non mais. Oh voilà. Et je l'ai mis, hein. Mais Arki, c'est un baiser, Arki, wesh. Ah ouais, non mais incroyable. Évidemment, Arki, Fortmas, Nazo, on les remercie pour les travaux. 30 vidéos et le diapo, je l'ai fait il y a quelques jours. Donc je crois qu'il y a 3 vidéos qui sont sorties depuis. Donc 33. Une régularité irréprochable, c'est juste exceptionnel. Un petit peu de retard sur les vidéos, comme vous le voyez. La vidéo du conseil du mois dernier. Oui, ça par contre, il faut qu'on le règle. Eh oui. En plein la vidéo de ce conseil de classe-là, il faut qu'elle sorte dans max 4 jours, hein. Faut que tu te débrouilles, hein. Ouais, on embauche un autre mec, frérot, rends pas fou. Allez.
Et TikTok, parce que oui, faut le dire, Thomas s'est lancé sur TikTok il y a quelques jours. Oh là là, mais le nombre de vidéos qui a été publié déjà. C'est le seul et unique vrai compte. Il y a plein de comptes qui s'appellent JL Thomas, JL Tommy, JL Toto, JL Totomas, JL Totomi, tout ce que vous voulez. JL Tommy, JL Tommy, tout collé en un coup comme ça, c'est le seul et unique vrai compte de moi, de mon TikTok. Et voilà. Abonnez-vous. Vous allez vous abonner et il y a déjà, je crois, 12 TikTok qui sont sortis. Fume Elias, là, j'ai la honte. Abonnez-vous aussi au mien parce que c'est moi qui ai donné l'idée à Thomas et ça, je pense qu'il le dit pas assez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais en vrai, mien, abonnez-vous. Attends, c'est quoi, on va faire JL Fake Monster, JL Bichou, Nateos, wow. JL Amaru. Et JL Amaru, comme ça au moins, abonnez-vous aux 5. Vous avez des TikTok, vous? Joanne TV, pareil sur TikTok. Joanne TV, allez, régale-toi, frérot. Et voilà, et en plus, regardez, parce que je suis quelqu'un très rigoureux et consciencieux, j'ai mis quelques petits moments clés des TikTok. Atendar, que vous connaissez avec Miguel. Atendar, Hermano, Slipo, Plomo, cabrón. Vous avez vu, c'est la voiture de Los Vagos. C'est la voiture de Los Vagos, la voiture de todos. La voiture des locos. La voiture des locos. Eh ouais, je suis en Matrix aussi. Elias et Kramzé pour le charbon. Et Arcus, bien évidemment, Arcus, il est partout. Fourré au moulin, comme on dit. Relationnel. Alors attention, pour JL. Thomas n'avait toujours pas dormi. Donc c'est une histoire en 5 images. Ça va suivre sur plusieurs diapos. Thomas n'avait pas dormi. C'était à quelle date, attendez? 20 avril. J'avais l'air d'en vouloir à quelqu'un. Mon frère, non mais sérieux, les cernes sont. Je sais pas ce qui m'est arrivé, frérot. J'en ai bavé après ce tweet, moi. Désolé, Elias. La suite de l'histoire. Il essaye de dormir, mais il y arrive pas. Et là, bah du coup, l'annonce de live. Je pense que tout le monde a été content. Mais quel rapport avec relationnel, mon ref, t'es drogué? Hein? Mais non, mais c'était pour montrer l'image, la storyboard de l'histoire, quoi. Mais t'avais marqué relationnel? Hygiène de vie. Ah oui, j'ai inversé les deux. D'accord, c'était hygiène de vie. Ouais, je me disais là, ça. Okay. Ouais, il a inversé hygiène de vie. C'est ta relation par rapport au sommeil, ça passe. C'est allez, fais la chronique. Hygiène de vie. Contrat en alternance avec la ah oui. Thomas oui. Se réveillait tôt, le lendemain était toujours en Yes Life, mais le surlendemain, bah c'était pas le cas. du coup, ça explique pas mal de choses. Thomas a une gastro aussi, attendez. Ouais. Oh, plat, le ramadan totalement respecté. Voilà, mois de ramadan, je pense que pour une hygiène de vie irréprochable, c'est parfait. Exposar, terminar, hermano. Il a quand même une photo de lui, beau gosse, regarde. Je vous laisse Twitch, est-ce qu'on est... Écoutez, c'est bon, Twitch, c'est vert radioactif. 195, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Ouais, 200 heures, en gros. T'as pas trop fait de viewers, hein. 17 000, c'est... ouais, c'est correct. 17 000, franchement, frère, je suis pas convaincu, hein. Ferais mieux le bon prochain, frérot. Bref, moi, je lui mets... Tu sais quoi, je te mets 9,4, j'ai envie de mettre un 4. 9,4 parce que frère il était trop chaud du zboop, frère il est monté à 1 milliard de viewers, trop régulier, tac tac bim bim, on a même fait It Take Two. Bon il a fait un peu trop de GTA mais vas-y frère. Ouais parce que Miguel je m'amuse trop. Frérot t'as un filon, faut le miner, c'est normal. Tu dois t'améliorer sur la libération du salon. Ça n'a rien à voir avec Twitch. Hop, on va laisser 4. Ok, merci fake. Moi j'ai mis 9,7, je relance de 0,3 parce que c'est toujours très solide. J'aime bien le fait qu'on mange ensemble maintenant, je trouve ça cool. Le fait que tu lances après manger, genre. Ouais. J'ai trouvé ça très cool ce mois-là. Ouais, c'est vrai. J'aime bien manger avec vous aussi. On devrait faire le ramadan toute l'année? Non. Oh, viens, on fait le ramadan toute l'année, sauf qu'on mange la journée, mais le soir à 21h, on mange. Ok, vas-y, c'est le nouveau ramadan alors. Merci Elias. Et toi? Attends, je fais genre, je suis bugué. Putain, tu relances de plus 0,2. Wesh! Ouais, je suis un niqué de la tête. Merci. Ah non, mais ce mois-ci, y'a rien à dire. Merci. Écoutez, pour moi, je relance d'un 10. Oh, merci mon frère. Moi complet, trim, régulier, top 3 ce mois-ci. T'as augmenté ta communauté, t'as augmenté tes subs, t'as fait plein de petits jeux et puis je te sens épanoui au niveau du stream. Ouais, YouTube, bah il y a eu 33 vidéos. Sans bah sûr. Gros, sérieux quoi. Pas ouais, mais après c'est des vidéos sur... Ouais, c'est vrai, ouais. Regarde l'écran quand même, regarde l'écran comme ça fait peur. Ouais, sérieux, on est agressé. C'est impressionnant. Est-ce que tu crois qu'il y a un mec qui a regardé chaque seconde d'absolument toutes ces ouais, vidéos? Ouais, bah oui, je pense. Il y en a plein. J'aimerais bien le rencontrer ce mec. Je pense qu'il a des posters de toi dans ce. Non, je pense ceux qui regardaient les rediffs et qui peuvent pas s'en sub, ils sont à fond dedans, frère, je pense. Petit truc, on va faire encore plus de vidéos sur la chaîne YouTube. On va aussi mettre les rediffs de game LOL et des autres trucs. Donc, Arki, j'en ai marre qu'il y ait que du GTA sur ma chaîne YouTube. Je veux qu'il y ait aussi du LOL parce que, vu que de toute façon, on s'en fout. Donc, même si jamais la vidéo elle fait moins de vues, on s'en bat les couilles puisque c'est la chaîne secondaire. Donc, c'est là pour spam. Donc, je veux qu'il y ait les games de LOL. Je veux qu'il y ait les games de si on joue à Warzone. It Take Two, c'est déjà en train d'arriver. Je crois qu'il y a déjà deux ou trois épisodes. Ouais, il y a bientôt l'épisode. Je veux qu'il y ait le plus de trucs possible parce que je sais qu'il y a des gens qui me disaient oui, Thomas, moi je regarde pas GTA, je veux voir les rediffs sur LOL et tout, tu vois. Fait chier. Les gars, on va envoyer tout, ça va vraiment être une chaîne de spam. Jamais on doit sortir 2 ou 3 vidéos par jour et bon, on les sortira. Du coup, moi je t'ai mis 8 sur merci. 10. J'aurais pu te mettre 9 ou 10, mais frérot, c'est des best-of quoi. Genre, tu me régales pas là. Qui se rappelle quand il avait promis une vidéo par semaine sur la chaîne principale? Sur la chaîne principale, ouais, on l'oublie pas. Ouais, c'est vrai. On l'oublie pas cette promesse. Et
malheureusement, je pense que c'est ça qui te vaut ces deux points, frère. J'étais plus motivé par YouTube quand j'étais moins motivé par Twitch. Normal. Et là. T'étais déjà aussi heureux sur Twitch. Non, j'ai. Oui, mais t'as vu, j'étais en mode. Ouais, genre voilà. Mais là, frère, sur Twitch, je m'amuse trop, frère. Mais dans ça, t'as pas remarqué quand t'es comme ça sur Twitch, t'es comme ça sur YouTube. Ouais, mais là, je m'amuse vraiment trop. Sur une pente montante, au bout d'un moment, je pense que ça va redescendre. Je sais pas quel truc va faire que ça va se calmer. Bah, mais... fin de carrière, frère. Ouais, fin de carrière, tu vois. Mais mes cousins, là, je m'amuse trop sur Twitch. Ok. Et bah, ben... c'est un 8 suivi. C'est suivi d'un 8. Suivi d'un 7,5 à cause de la promesse. Mais non, c'est pas suivi du coup. Gros con, va. 7,5 ? Bah, non, promesse. C'était. C'est, mais, c'est coup, ouais. Tu fais des best-of, mais c'est des rodifs. 33 vidéos. Je tiens à préciser que toutes vos vidéos sont aussi des best-of. Ouais, mais moi je n'ai jamais fait de promesses. T'en étais mauvaise. Si, t'as fait des promesses, t'en as fait. Oui, mais. Oui, mais y'a pas 33 vidéos, frère, sur vos best-of à vous. Genre, on a mis 7 à Elias pour 4 vidéos qui sont des rediffs. Toi, t'as mis combien là? Là, j'ai mis 8. T'as mis. Attends, t'as mis combien, Elias? J'ai pas mis 7. Hein. T'as mis combien, Elias? 6. Le ratio n'est pas bon. Ouais. Non, mais attends. Impossible de rationaliser. Je suis quand même super drôle. Mais moi aussi, mes vidéos sont quand même super drôles. C'est pas que du GTR. Moi non plus. Si. Non, si. Non, je te promets, je t'assure que non. Mais tu viens de le dire. Non, je t'ai dit, on va acheter du LOL. Il y a Tech2, il y a une vidéo sur Call of, il y a des moments de shooting et tout. Et vraiment, à ne pas confondre, 8,5. GTA qui fait une sorte de mini-série. Bah oui. Et les rediffs, tu vois. Genre 8,5. Il y a les rediffs et la mini-série qui est GTA. Enfin, ouais. Vous avez tous des lunettes, c'est un truc de baiser. Mais non, moi j'ai pas besoin de. Insta TikTok, les frères, peut-être. Insta TikTok, je te mets 4, Insta je te mets 3, 4, 5, 6, 7, ok je te mets 7. Quoi ? Affiche combien de photos j'ai mis sur Insta et tout ? 3 Insta. Mais des belles photos hein. Ah mais il a que 3 photos ? Pas spécialement. Bah oui. Et regarde mes TikTok, Non parce que frère, toi tu t'as pas dit que c'était mon idée et que je t'ai influencé par ça. Tu vois, c'est pas venu directement dans ton cerveau. Donc je suis obligé de t'enlever un petit peu de points, tu vois. Mais au calme. Parce que c'est mon idée avant d'être ton idée en fait. Moi je te mets 6,5 parce que 3 photos c'est vraiment pas assez. Ouais. Surtout que t'as dit que tu faisais une photo par événement. T'as fait un événement Warzone, j'ai rien vu. Mais non, mais par événement de déplacement, sale connard. Ah mais ouais, il devrait être ça sûrement. Et je fais quoi ? J'ai pris une photo dans mon ordi. Déplacement. Oui. Bah, oh Warzone bah, frère, bah tu te démerdes. Bah va te faire ta photo du tour, c'est dommage que tu l'aies pas posté. Ok, t'as que 3 photos, t'as pas fait de déplacement. Les 3 photos, c'est pas des déplacements. Bah oui, bah justement, parce que vu qu'il y a eu 0 déplacement. Du coup, ça fait que... Pour l'instant... Frérot, j'ai pas envie de te terminer, mais je t'ai mis 6. Ouais, 6,5 suivi, 3 photos, frérot. Ta photo du tour, elle était trop bien, tu l'as même pas postée, frère. Mais c'est une photo story, ça c'est. Mais oui, c'est une vraie scène, c'est une photo. Mais non, c'est un selfie comme ça. Bah prends une belle photo. Mais ça compte les stories, frère. Les gens ils regardent les stories, ils sont contents. Et ben moi, c'est suivi d'un 7. Merci, parce que y'a une story que vous oubliez tous qui est une masterclass maintenant. Ah, c'est le 8 rase le crâne. Non, bah ça déjà, oui, ça va devenir une masterclass. Mais c'est le premier, mais c'est surtout celle où ils vous filment tous derrière vos PC. Ah oui, allez, 7. Non, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, 7. C'est moi maintenant, hein. Bon, remettons les choses au clair. Moi, je veux plus l'approcher. Elle, elle veut plus m'approcher. Tout est bien qui finit bien. Et moi, je tire plus. Et moi, je vous rends même la suite chez vous. Je veux plus habiter chez vous. Je vous la rends gratuitement. Écoute, c'est pas parce que mon véhicule est cassé que je peux me balader nulle part, hein. Voilà comment on va procéder. Je vais changer le pot d'échappement, je vais mettre un enjoliveur de 205 à la fin du véhicule. Et si jamais tout se passe bien, au niveau de la course, normalement, on peut les atomiser. Ouais, en gros, je suis allé voir le sergent. Et le sergent, il m'a dit qu'en gros, il voulait passer une augmentation, tu vois. Ouais. Et en gros, il m'a dit que c'était pas possible. Yo, les bad. Ça va ou quoi? Ouais. Des fils de pute, Thomas, ils ont cité le tweet et disaient « Ouais, mais les mecs qui jouent à GTRP devraient sérieusement penser à trouver un travail. » Et ça, directement dans mes veines. Il faut leur dire que c'est notre travail. C'est quand même. Bah, je sais pas, faut leur dire qu'on gagne 250 000 euros par mois, frérot. Cette story... Tu fais rien, toi, tu t'augmentes pas la note. Ouais, d'ailleurs, ouais, cette story, elle était drôle et elle a été beaucoup citée et j'ai bien aimé les commentaires négatifs. Bah oui, elle est passée sur Snap, elle est passée partout. Il y a des mecs de Perpi, ils connaissent pas Twitch, ils connaissent pas trucs, oui. Parce qu'elle est passée dans c'est pas des LOL. Ouais. C'est en mode oh, Thomas, t'as percé. Je dis, ah ouais, enfin. Je dis, ah, mais ça fait plaisir. Ouais. Hygiène de vie. Début du mois, avant le ramadan, j'étais sous régime. Elle si, je mangeais des légumes et tout, hein. Rappelez-vous-en, par pitié, hein. Ça a duré une semaine et demie, ou pendant une semaine et demie, je mangeais tarpin de légumes, je mangeais que des trucs équilibrés, hein. Vraiment, et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur qu'on fait tout le temps d'oublier le début du mois semaine et demie, hein. Je te rappelle quand il a dit, j'ai commencé les fruits, j'ai mangé une banane à popcorn. Voilà. Non, mais là vraiment, pendant une semaine et demie, et je prends le chat à témoin, frérot, je leur montrais à chaque fois c'était équilibré. J'ai même mangé une tarte aux épinards. Je mangeais que plein de légumes et tout. C'est une tarte, gros. Non, mais frérot, t'as compris, mais oh, c'est histoire des épinards, tu vois.
je mangeais vraiment équilibré, ça. Ma seule réponse pour toi, Thomas, ce sera un boh. Ouais, boh. C'est franchement, voilà, le chat, vous êtes face à la réalité, franchement, ça me désole. Une tarte aux épinards, mec. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, frérot. J'ai mangé une pizza à l'ananas, c'est des fruits. Juste, s'il te plaît, tu peux rappeler les plats que tu m'as fait. C'est pour ça que je lui ai mis un 7. Ah oui, 7. 7, franchement, c'est une très bonne note. Très bien. 6,5. Franchement, tu fais pas de sport et tu dors comme merde depuis. Ouais, c'est vrai. Arrête. Avec Miguel, je fais que courir. Oh, bref. 7, c'est tout ce qui peut gratter. Ok, bande de chiens. Voilà, Chanel. Les frères. Il vient de dire bande de chiens et juste après, il a suivi un les frères. Vous avez vu? Les masques tombent. Est-ce qu'il a été un chien? Oh oui, tu m'as cassé mon rasoir dans mon rêve. Écoute, Thomas avait déclaré sa flamme à Elias en lui disant qu'il voulait lui bouffer la bite. Moi, oh, c'est pas vrai, frère. Quand j'ai dit ça, ouais. J'ouvre le bal. Ah si, je le notais. Oui, mais ça. Non, j'ai dit manger ton caca. Ah, encore mieux alors. Mais frère, c'est pas pareil. J'ouvre le bal avec un œuf parce que Thomas, ça, ce mois, je sais pas ce qui s'est passé. T'as été super cool. On a fait des games de LOL, on a fait un rush ensemble. T'as installé Valorant pour moi. Oui, c'est vrai. Et ouais, t'as fait un stream pendant que j'étais en nuit blanche. Tu m'as accompagné. T'as été mon co-animateur. C'était trop cool. Oh, c'est vrai. Mec, le soir, tu me stream comment s'appelle ton jeu là? Red Dead Redemption. Je suis le seul viewer de Thomas le soir de Red Dead. Genre, il stream que pour moi, tu vois. Ouais, et je suis trop content. Ouais, voilà. Et hier, on a passé 5 heures à le regarder choper un cheval légendaire. Ouais, et je l'ai eu, frère. En gros, Fake, c'est un cheval noir qui est aussi performant que Nathéos, qui est un cheval blanc. Exactement. Comme quoi, on est tous les mêmes, peu importe la couleur. Peu importe notre couleur de peau. Racisme, non? Regardez. J'en ai marre, frérot. Je te mets 8 parce que il y a souvent quand vous faites des customs de LOL, tu invites Elias, Fake, Loli, bon. Donc toute la GLOS. Mais je fais partie de la GLOS. Alors pourquoi tu m'invites pas, Thomas? Et il y a un moment où t'avais fait une t'es équipe. Mauvaise foi. Non, t'as un moment où t'avais fait une équipe sur LOL, t'avais pris Loli, Fake, Elias et Drizzer. Et je t'ai dit, Thomas, t'es sûr de cette équipe? J'étais en face. Wow. Je t'ai dit, Thomas, t'es sûr de cette équipe? Tu m'as dit oui. Allez, c'est bon, on lance. J'étais en face et t'avais regardé Drizzer. En gros, toi, tu fais rarement des customs. Moi, j'en fais tout le temps. Ça veut dire que les équipes changent tout le temps. J'en ai rien à foutre, tu vois. Là, cette game là, t'étais avec moi, la game d'après, t'aurais pu être contre moi. Genre, et vice versa, tu vois. T'as qu'à faire aussi, toi, tu viens, tu fais une game, t'es comme Elias. Vous venez, vous faites une game, vous partez. Nous, on joue pendant 4 heures, Pelo. Nous, on est des gamers, nous, frère. On a pas que ça à faire. J'ai pas ton cardio. Nous, on veut jouer. Il faut que tu fasses avec, frère. Il faut que tu me soutiennes. Va te faire foutre. Le 8, il est retenu. Hein. Et bah, moi, je te mets 7 comme tous les autres parce que bah, on a passé des petits moments sur Discord ensemble. Et c'est cool. Personne. Donc, attends, je résume. Ça fait un mois de pouce de cheveux. Tu débarques à la GLA. Ça coûtera pour plus tard. Pour le premier, on est le premier, non? J'ai noté. Tu vas en tenir compte le prochain mois? Le prochain mois, voilà, je suis la seule personne avec qui tu as fait 2 streams pendant le mois. Non, la tier list et Gartic Phone. Oui, mais Gartic Phone, je t'ai proposé. Peu importe. Bah, c'est vrai, oui, mais Elias, par exemple, il a été avec moi. Nathos a été avec moi pendant un live, etc. C'est un câlin. Ok, c'est le premier. Donc, du coup, si je compte le câlin, je te compte aussi le rasage de crâne. Mais moi, 8. Non. Mais j'ai une question à te poser. T'aimes bien Red Dead? Oui, j'aime bien. Tu veux faire du Red Dead RP? RPZ. Oh, il a pété. On dirait qu'il a pété. RPZ. Tu l'as fait rentrer dans RPZ. Oui, c'est vrai. Ok, tu joues à RPZ? Bah non, parce que personne ne joue avec moi. C'est moi qui fais rentrer. J'y suis allé précisément. Mais tu m'as fait rentrer moi? Non. En vrai, c'est moi qui fais rentrer Bichou et toi t'as fait rentrer Fake. Il m'a spam. Il m'a dit, oh Thomas, je veux jouer à RPZ, s'il te plaît. Moi aussi, je veux jouer avec tous les streamers pour leur astiquer le chibre. Et moi, j'ai dit, c'est pas vrai, ma bichette. Imagine, non, mais j'ai envie de jouer avec des nouvelles têtes et tout, tu vois. J'ai dit, bon, ok, frérot, je te fais très grand. Il est venu, il a joué de 20h à 20h30, il a déco alors que c'était le premier soir, genre c'était le soir de l'ouverture, tu vois. Normalement, on devait tester, voir si jamais c'était bien ou pas. Il est parti, j'ai dû le kick de flashback, Pelo. Oui, je m'en rappelle. Ce mois-là, j'aurais pu prendre une mort RP et j'ai refusé le dossier. Ouais, et dossier de qui, on peut savoir. Et malgré tout, tu me mets 7. Bah, sûrement le dossier, puis la merde. Je ne le sais pas. Tu aurais perdu Mason Lorenz. Ouais, un personnage qui me rapporte 30 000 viewers. On a Loli qui dit c'est faux. Frérot, je te dis que c'est vrai. Un dossier fait par qui? Loli, j'ai eu. Attends, est-ce qu'il y a eu un dossier de mon RP sur moi? Oh, c'est vrai. Vas-y, justement, lui. Là, le mec a ouvert le ticket et je fais un reveal là devant tout le monde. Le mec a ouvert le ticket, je l'ai instant fermé. Ok, mais regarde. Aucun membre du staff ne l'a vu. Regarde mon ref. Je vois là. La vie de ma merde. Oh, il a dit merde en plus, il me prend pour un con. Oh, il essaie de t'acheter, regarde, tu vas lui dire c'est 7. Regarde Thomas, hein, que tu as dit par rapport à RPZ et Astic et le chibre et tout, ça sera retenu. Attends, moi je vais voir combien tu vas lui mettre. Non, ça, il m'a mis 7. Je lui ai mis 7. Tu lui laisses 7. Hein. Fake. Il va-t-il choisir l'islam ou son meilleur ami? Apprendre ou à laisser. Je vous aurai deux. Voulez-vous garder cette boîte? Thomas, qu'est-ce que tu aimerais voir derrière cette ardoise? Sachant que ton frère Muslim a juré voilà qu'il allait mettre 5. Un 5, qu'il efface et qu'il mette un 10. Thomas. J'ai vu qu'en début de mois, t'avais fait des nombreux efforts. C'est vrai que toi, en plus, pour faire des efforts, faut vraiment. Et quand tu fais des efforts, tu le fais pas un petit peu. Enfin bref. Comment ça? Genre, ça se voit que tu te donnes. Genre, tu deviens mignon d'un coup. Tu deviens plus un fils de pute comme t'es d'habitude. Mais c'est vrai. Putain, mais c'est vrai que je dis des trucs de fou. Bref. Tout le mois, t'as été bien jusqu'au milieu du mois. Même au niveau de Hick Take Two, on a enfin fait un jeu à deux, hors LOL et tout. Qui en était plus bien. De Police Simulator. Ouais, puis Police Simulator. C'était marrant. Ouais, c'était de la merde, mais vas-y, c'était marrant. Bon,
vaut la note là, tu casses les couilles là. Je t'avais mis un 5 le mois dernier. Un 6. 6. Ouais, 6. 6 tu l'as mis, ouais. J'avais l'œuf de te mettre un 5 et je t'ai mis un 5 sur 10. Pourquoi j'ai cru le temps d'un instant moi aussi. Frérot, ah, il préfère l'islam hein. Je vais te dire. Je vais te... Attends, non. Attends, laisse-moi continuer. Tu es mon frère Muse avant d'être mon frère. Je sais. Laisse le 5. Je sais, attends. C'est pour ça que ce 5 sera transformé. Ouais, c'est quoi cette pression hein. Moi je suis que tout attends. Ah ouais, là moi je suis super curieux là. Ah ouais, vraiment. Oh sa mère. En 9,9. Oh en 9,9. Pourquoi je m'explique. En sociabilité. Et ce mois-ci, Thomas, oh, tous les 5 minutes, oh là, j'en pouvais plus, tous les 5 minutes, frère, il me disait ça va, fake, nanani, nana. Il y a genre une ou deux fois, à la limite, on s'est vite fait, pris la tête vite fait, mais sinon, il était tranquille ce mois-ci. Mais là, c'est normal, il mérite. On est amis. Il est monté en plus, il est monté souvent dans ta chambre. Maintenant, il monte au deuxième étage. Il a découvert qu'il y avait un étage. Je pensais pas qu'il était capable physiquement de faire ça. C'est un truc de fou. Non, mais ça, GG. Notre Gustave, s'il vous plaît. Samuel, 9. Moustouf, 9,5. Et Jus, 7. Tu m'as mis 7. Mais suis on comprend choqué. Pas. Il avait pourtant mangé ta tarte aux épinards. Mais oui, j'ai respecté le régime à la lettre. Ça me casse les couilles. Non, merci Maître Johan, mais attends, frère. Maître Johan qui revient de Martinique exprès pour l'émission quand même. Donc ouais, exactement, j'ai un avion à prendre, je dois m'en aller. Merci mon ref, et t'as ton sac de couchage pour dormir dehors. Hein. Et j'ai même pas de valise, on me l'a volé à l'aéroport. Oui, c'est vrai. Pour terminer ce conseil de classe oui. En beauté, Bichou, quelqu'un t'a choisi, c'était même pas voulu. Franchement, parce que sinon ça va commencer à dire. Je vois déjà le truc venir. Bichou a un avocat, un maître. Qui va tâcher de le sortir de la panade parce que ce mois-là va vraiment falloir être solide sur les appuis ouais. Pour le sortir de là. Pour ce conseil de classe, sera défendu par attends, Julia Bayonetta qui arrive. Sérieux, elle fait 1m20. Ok, salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour défendre Bichou, pardon. Donc, du coup, ah oui, avant de commencer, pardon, je voudrais regarder Thomas. Vous l'attaquez alors qu'il n'a pas d'avocat. Tout le long, j'étais derrière, j'étais en mode. Je me mordais des poings. Eh ben là c'est ton moment, défends-le. Même pas vous avez attendu que ça soit mon tour pour le tailler et c'est pas gentil. Je tenais à le dire. C'est vrai, okay. C'est ma daronne, c'est mon avocate là. Ah, c'est vrai, on aurait dit la daronne un peu. Préciser là. Il y a une couille là, je crois. Alors moi je suis un peu plus organisée, j'avais envie au cas où si je passais en première, j'ai fait un petit sommaire et une petite intro. Voilà, donc on va étudier un petit peu ce qu'a fait Bichou sur ses réseaux sociaux et voici le petit sommaire, on va faire Twitch, YouTube, Insta, TikTok et conclusion. Je commence très mal avec okay. Pause. Moi, cette photo, je la kiffe. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec cette photo. C'est de la merde. Mais ils dégoûtent. Moi, je trouve. Ils dégoûtent. Arrête. Tu as fait la même pose. Sois de bonne foi un petit peu, je t'en supplie. En plus, oui, c'est vrai que t'as un peu fait la même pose. Moi, un peu culotté. Pas comme ça. Non, je parle de fake. Moi, perso, je l'aime bien cette photo. Je l'aime bien. Mais c'est pas le sujet. De toute manière, on est là pour ce mois-ci. Donc, let's go, c'est parti. Ok, Twitch. Alors, incroyable, mec. Vraiment incroyable. Les gars, explosion. Top 10. Incroyable. Oui, top 10 Twitch. D'ailleurs, on bravo. A que du GTA. Oui, c'est vrai. Vraiment bien. On a bravo. Pas que on du GTA. De loin quand même. Ouais, vraiment bravo. Ça, incroyable. Il n'a pas fait que du GTA. Regardez, il s'est diversifié. Il a fait du Minecraft, du Warzone, Trials. Et du YouTube. Life, là. YouTuber Life. Non, Julia, s'il te plaît. Il a joué à YouTuber Life pendant qu'il faisait une tier list flashback. Julia, pourquoi t'as pris des jeux off live? C'est que en live. Ouais. Il y a que GTA, là, normalement. Là. Alors, je suis pas d'accord parce que moi, je le suis. Je suis une vieweuse fidèle et je peux dire que je l'ai vue sur chacun de ces jeux. Personnellement, c'est mon expérience. Une très bonne avocate en tout cas. On la laisse finir, on te finit après. Non, parce que je dis. On doit constater un petit peu ces stats incroyables. Alors, j'étais pas du tout stats, moi je voulais pas qu'on regarde les stats, mais quand même, c'est à noter, il a fait un truc de fou. C'est du vert partout, il a gagné en viewer moyen plus de. Combien 4000 je crois, j'ai pas mes lunettes. 1 milliard. 4000. Au moins 4 milliards, allez. Il a gagné, je crois, 100 000 abonnés. Ouais, non, mais c'est. Non, mais vraiment, c'est un. Ce mois-ci, c'est un crack. Non, mais vraiment, ce mois-ci, t'es un crack sur Twitch. GG. Alors, on va passer maintenant à ton perso, RP, Mason Lawrence. Alors, il y a du développement personnel pour ton perso. Ouais. C'est bien. Il y a des scènes qui sont épiques et drôles. Donc, normalement, il y avait des clips Twitch. Je suis désolée, c'est un peu une galère. Genre, les courses-poursuites, il y en a, mais elles sont. Mais j'étais mort de rire, genre incroyable. Surtout, et je tiens à te féliciter, vraiment bravo, il a eu qu'une seule meuf. Alors, bravo, incroyable. Alors ça faut vraiment applaudir les gars. Mais alors, attendez, parce que... Une seule
Il y a deux trucs à noter. Alors déjà, j'ai pas charo toutes les meufs. Ensuite, ici, elle, c'est pas ma meuf en été. Ça, je pensais que c'est l'Autrichienne, la Silda, là. Ouais, moi, ouais, j'ai vu tout tes streams, t'es un crack. Alors, t'es là, il y a la moto en fond. Tu dis, ouais, même si tout ce qui se passe, c'est une chose, c'est que je t'aime. Et tu pars sur ta moto et tu vas... Attends, mais elle est incroyable, cette scène. Est-ce qu'il habille des bandes noires et une musique de Sons of Anarchy? Oui. D'accord. Ah, attends, mais il y a une autre nouvelle encore. En RP, je vais être papa. Oui. Voilà. Non mais c'est incroyable. Un développement, hein. Il y a vraiment une progression. On essaye de se diversifier. Il cherche les scènes, il cherche à approfondir son perso. Il cherche à être en couple. Il va avoir un enfant. Alors par rapport à YouTube, très bien. Il a sorti deux vidéos best-of pour les gens qui peuvent pas regarder les lives. Donc c'est bien de penser un petit peu. L'histoire. Voilà, c'est bien pour les gens qui ont pas le temps de regarder les streams tout simplement. C'est vraiment ton RP, GG. Voilà par rapport à YouTube, c'est très bref, c'est simple. Instagram, alors ça c'est mon moment préféré. Donc regardez, déjà il y a des petites photos de nous. Mais c'est en 2012. Ça fait 5 ans. Oui, non mais ça c'est le gars. Regarde, c'est trop mignon, elle a mis des petits cœurs sur le téco. Oui, non, parce que j'adore, c'est ma partie préférée. Ouais, et voilà. Donc passons à Instagram. Alors déjà, 7 posts, 40 photos. Est-ce qu'on en parle? Ouais, c'est vrai que j'ai abusé sur les photos. Oui, non, t'es un baiser. Ouais, j'ai abusé, j'ai fait 40 photos. C'est 40. Ouais, ouais, ouais. Des fois, il met des 10 photos par post. En moyenne, 5 à 6 photos par post, quoi. En gros, si on devait faire une moyenne, différentes photos. On peut passer à la diapositive. Attends, tu les trouves comment, les photos? Bien, on y vient en 2 minutes. Ouais. On y vient. Je t'ai envoyé une perche. Alors, regardez comme il est déjà, comme il est trop mignon, genre. Donc, vraiment, je trouve que. Alors, on est plus trop mignon, la vie de ma mère, avec le crâne en plein été, bâtard. il fait des belles photos, il s'habille bien, vraiment, je trouve. Ça se voit que tes photos, t'es là, tu réfléchis à ton outfit, tac, tac, tu poses bien, ouais. Tu réfléchis à tes photos, ça se voit que t'es là, tu t'es dit, bon, tu changes de paysage. Tu changes de décor, de pose, tu tentes des trucs. Peut-être c'est pas ton truc. On dit pas que t'es excellent, que t'es un mannequin, je sais pas trop quoi ou quoi. Tout simplement que t'es beau. Voilà, ça se voit que tu fais de l'effort. T'essayes de t'ancrer dans Insta et d'essayer en fait de produire de plus en plus de contenu et du bon contenu sur Insta. Et GG. Bon, peut-être beaucoup de photos, mais c'est parce que. T'as raté les photos miroir ? Oui, c'est bien. Beaucoup de nouveaux followers aussi qui viennent de TikTok. Ça, on va y revenir juste après. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que t'as dû, à mon avis, poster plein de photos. C'est histoire qu'ils soient contents, quoi. Elle le défend trop bien, ouais, frère, vas-y. Elle le défend bien, mais alors, pas assez bien. Attendez, ça c'est mon moment préféré. Regardez, il a un talent caché. Mais oui, attends, non, mais il a un talent caché. Des échecs. La alors. Ma mère, j'ai placé les pions au hasard. Oui, ça. Laisse-la parler, t'inquiète. Une façon de jouer unique. Un QI supérieur à 150. Autonome et autodidacte. Le gars, ça se voit, il s'est vraiment posé. Il a appris tout seul à jouer aux échecs. Et il a joué tout seul, et c'est ça qu'on aime. Regardez-moi ça. Attends. Donc il y a la tour qui est à l'envers, non mais oh là là. Il a mis le roi à la place de la tour. Je sais pourquoi il fait ça, c'est parce qu'en fait il joue mieux que tout le monde. Oui. Il a trouvé des strats, mais tellement intelligentes qu'on est incapable de comprendre. Il y a que lui qui peut savoir. Il y a que lui qui sait jouer comme ça. Mais c'est parce qu'il est un niveau au-dessus. Elle le défend trop bien après. Et TikTok, donc petite transition à TikTok. Oh oui. On voit que plein de... Je vais y revenir parce que monsieur s'amuse à tailler mon client pendant que je ne suis pas là. On reviendra sur les TikTok. En plus, c'est vous tous. Mon client, en attendant, il est là, il a fait plein de TikTok. Mais pas seulement des best-of GTA RP. Il a pas pris juste des clips de ses streams. Non, monsieur s'investit et il essaye de faire du contenu approprié à la plateforme. Il est là, il fait des petits podcasts. Est-ce que peut-être qu'il y en a qui... On va passer le TikTok après. Il essaye, tu vois, c'est ça qui est cool, en fait, ce que je trouve, c'est que vraiment, et il essaye de s'intégrer sur la plateforme en essayant du contenu diversifié au lieu de prendre le contenu Twitch, on le met sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Non, il est là, il met aussi des best-of GTRP pour les gens qui s'intéressent. Attends, il a fait 1 million de vues TikTok. Attends, il l'a supprimé. 1 million de vues, il l'a supprimé. Il fait des tutos GTRP. S'il vous plaît, on va tous se taire. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait et on va juste écouter attentivement le TikTok. Je suis en train de jouer, je peux pas. Mets-toi face à la caméra, Bichou. Salut les champions, t'es en train de jouer à PUBG aussi? Qu'est-ce que ça raconte? C'est quand même bien? Excuse-moi, je devrais plutôt dire XPGM, le poste du 54. Oh là là. C'était mon pseudo sur Modern Warfare 2 il y a 10 ans. Comment tu sais ça? Il y a 10 ans, tu m'as mis un 360 notes scope sur Modern Warfare 2. J'avais la haine. J'avais juré que tout le reste de ma vie, j'allais te retrouver et j'allais baiser ta mère pour que tu m'appelles beau papa. Chose promise, chose faite. Je vous emmerde. Madame l'avocate, chose promise, chose faite, s'il vous plaît. Donc, conclusion, Bichou est le boss du RP.
et voici un pilier. Tadam. On est là. Bien joué. Bichou, donc du coup, déjà merci Julia, franchement, ça va, tu t'es Gucci, hein. Même moi j'ai envie de te mettre des bonnes notes alors que. Non, sérieusement, on croit que vous mettez des bonnes notes sur certains points, frère. On fait Twitch, comme ça, on le sauce un peu, et ensuite, on le termine. Twitch, vraiment, beaucoup de GTA, mais évidemment que t'avais pas envie de quitter GTA. 195 heures. C'est normal. C'est ton record ? Il a stream autant que moi. Ouais. Ah, et je tiens à préciser qu'il faisait pendant 2 semaines un stream le matin et un stream le soir. Ok, bah moi je commence. Ok. Je t'ai mis un petit 8. Bah t'as fait des stats insane, c'est juste, ça manque un petit peu d'autres jeux, mais sinon c'est incroyable. Attendez, mais sérieusement, vous êtes Salah? T'as mis 8? Vous êtes Salah, il a dit. Non, mais, attends, mais moi je bégaye, frère. Attends, mais c'est pas possible. Je te mets 9. C'est le 8 là qui me dérange. Moi je te mets 9. Je vais te répéter ce que je te répète en off. Pourquoi pas 10, tu vois? T'as une surfeur de fou, t'as beaucoup de viewers et tout. Et ces viewers là, ils te connaissent que sur l'aspect GTA. Il faut vraiment, bichou, hein. Je les amène ailleurs. Amène-les ailleurs, ces viewers là, frère. Parce que là, ils regardent beaucoup GTA. Même si jamais tu vas perdre plein de viewers, si jamais tu changes de jeu, que tu pars sur un jeu nul et tout. Tu vois qu'il y aura toujours quelques viewers qui vont rester. Et ces viewers là, il faut que tu arrives à les convaincre. C'est ça que je fais? Non, pas assez. Bichou, je te jure, si jamais moi je vois que je suis sur un autre jeu qui est 4h du matin et que toi t'es encore sur GTA, tu vois déjà, c'est que c'est pas normal. Oui, mais ok, mais parce que là après le RP il fait que dans mon RP je peux continuer jusqu'à 4h. Objection, s'il vous plaît. Quoi? Ah, si, moi je suis l'avocate chiante. Hein. Oui, mais je vous écoute, voilà. Madame, je vous écoute. Voilà, je tiens à dire qu'il fait beaucoup de just chatting aussi. Oui, mais bon. En gros, je veux savoir la raison de vos. Parce qu'en attendant, il fait du just chatting. Moi ce que je lui dis, c'est pour son bien. Ça veut dire que là, il a une grosse force, il y a des nouveaux gens qui arrivent sur Twitch et tout, tu vois. Et que ces gens-là, ils connaissent que GTA, il faut qu'ils les éduquent. Entre guillemets, tu vois, attention, pas éduqué en mode t'es leur daron ou quoi, mais que tu leur montres qu'il n'y a pas que GTA dans la vie, tu vois, et que ça peut être cool que tu fasses un truc et les forcer. Que justement, même si jamais tu vois, ça va te faire mal de perdre des viewers et que c'est un truc qui est normal pour tous les streamers GTA, tu vois, je peux te faire le meilleur exemple. Moi, genre sur LOL, frérot, rappelle-toi, il y a 6 mois quand je partais sur LOL, frérot, j'avais 3000 viewers, tu vois ce que je veux dire là maintenant. Mes viewers, frère, ils sont là, ils sont trop contents, tu vois ce que je veux dire ou pas. Écoute, moi, bichou, moi, il faut vraiment que t'arrives, frère. Je t'ai vu sur Warzone, je t'ai vu sur SNK, je t'ai vu sur Rocket League. Ah ouais, t'as oublié, je t'ai vu sur Trial Rising, je t'ai vu partout. Tu as été monstrueux. J'ai attendu pour cette note, tu l'as fortement mérité, frérot. T'as mis combien? Plus 0,3. Bichou, profites-en. Y'a la Z-LAN, mec. Profites-en. Je m'entraîne à la Z-LAN, ils vont partir, les viewers. Trouve un juste milieu. Non, non, parce que justement, en fait, c'est un extrême, tellement extrême que t'es sûr que t'auras au moins ces viewers-là. Bah, Trial Rising, j'ai fait un débat avec Elias, par exemple, et on était. Ouais, on était. Non, mais en fait, peu importe, juste joue à notre diversité, frère. Ça fait 1 milliard de fois qu'on te le dit. Moi, c'est juste ça. Parce que c'est quoi les conseils que je fais comparé à d'autres mois? Parce que ouais, je me suis diversifié. C'est vrai qu'on a mis des bonnes notes. Justement, à tous les conseils on te le dit, mais là frère, tu es fort, tu le fais même pas alors que. Mais je le fais. Il l'a fait les deux premières semaines du mois et après il y a eu une re-hype GTA de fou. Et justement, au lieu de se dire là j'ai une hype de fou, j'amène mes viewers ailleurs, il s'est dit ah non, là j'ai une hype de fou, ouais, je vais stonk, je vais faire des stats, je vais faire des petites. Tu peux pas me reprocher de rester jusqu'à 4h quand tu as encore des scènes jusqu'à 4h. Je te le reproche pas, mais il faut savoir que t'arrives à couper. Frérot, t'as fait un mois de fils de but sur Twitch, c'est pour ça que je t'ai mis 9, c'est la meilleure que je t'ai jamais mis. Mais maintenant frérot, il faut que t'arrives à. Genre, il faut vraiment que tu le fasses. YouTube de vidéo, hein. Attends, je voulais pas te tirer dessus, bichou. Moi je vais ouvrir, je te mets 7,5 pour l'encouragement. En fait, à chaque fois que la première fois que quelqu'un a fait des vidéos YouTube, je lui ai mis une bonne note. C'est pas la première fois. C'est la reprise. Ah ok. Tu vois, genre qu'il y a un truc, tu vois, genre c'est il y a une volonté, faut que ça dure. Je te mets 6 parce qu'il y a 2 vidéos. 2 vidéos best of GTRP, tu t'es pas foulé non plus, mais ouais. Voilà, il y a du contenu. 6,5. Pourquoi? Il a fait ses petites vidéos, encore de GTRP, encore des best of nanana. Mais en fait, le seul problème, c'est que on a connu mieux. C'est le même argument que toi en fait. Là, ce mois-là, sur Twitch, j'étais à fond et YouTube, j'étais. Ouais. Par contre. Mais en vrai, ouais, sinon t'aurais fait. Je sais pas si je suis le seul à remarquer ça, mais je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. J'ai vu il y a 3 jours et il y a 1 jour tes 2 vidéos. Il la call en stream, il a dit mais vous êtes pas prêt pour le braquage, je vais vous montrer moi. Et... Ouais, j'ai publié une vidéo. C'est le jeu. Exprès pour le concert, ok. C'est parti du jeu. C'est dommage. Instagram, TikTok. Instagram, on rappelle, hein, 7 publications, 40 photos en tout. C'est un baiser. En fait, en gros, Bichou, il était là avec son ref, il a dit fais la pause, il a fait tac 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 tac. Il allait sur Instagram, il a fait tac 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 tac. Il les a publiés. Il faut savoir qu'en ce moment sur Insta, c'est un peu la mode. Tout le monde fait ça. Les grosses têtes, ils mettent au moins 10 photos par post. Ah, tu sais pourquoi? Ouais, je sais pas. Et plein de photos, tu sais, genre de n'importe quoi. Genre, je te jure, ça n'a pas forcément de. Il n'y a pas d'ordre. Ils publient tout. Je vous montrerai après, vraiment. C'est malin, Bichou. Et ça se remarque donc, dans tous les cas. Bichou, le métaslave. Ouais, vraiment. Un métaslave, Bichou. Ok, j'ouvre le bal avec un 9. Insta TikTok. Bah, frérot, il est très solide. Il est solide. Attends, mais on voit pas les photos. Attends, mais il date de ce mois-ci, le TikTok. Ah ouais? Non, mais.
mais wesh, non, vous abusez, là. Terminant. Mais il est solide, mais hein. Si, il faut André, être objectif, il est solide. 8,5. Non, là, c'est je suis l'abus. Parce que la qualité sur Instagram n'est pas au rendez-vous, malheureusement. Pas assez. Ouais. GG, Bichou. Mais c'est honteux. Mais il est solide, mec. Mais oui, il est solide, franchement, Bichou. Beaucoup de photos, nanani, nanana. Beaucoup de TikTok, nanani, nanana. Mais les photos, mais vous avez pas zoomé. Vous, en fait, vous regardez juste les photos comme ça. Si, je regarde même pas, je tourne même pas, frérot. Ok, bah du coup, regarde. Quand je fais des photos miroir, vous me le reprochez. Quand je fais des photos, je sais pas où, vous me le reprochez. Oui, au moins il fait. Créatif, sont un minimum créatif. Fermés parce que je regarde l'objectif mais juste mes yeux ne sont pas ouverts. Vous me le reprochez. Hey, y a une photo où tu fais un coup de pied, t'as un pétard gros. ouais. C'est le conseil de classe ou on suce tous nos collègues et là, mais c'est l'objectif, c'est que vous m'avez fait plein fake. De trucs et oui, là quand je l'ai fait il a appliqué ce qu'on lui reprochait. Bah, oui, mais je vais pas frérot, justement, je vais pas lui dire toi ce que tu veux c'est le niquer pour que ce soit le là n'est pas toi frère. Arrête de. Mais je le sais que j'ai perdu en fait. Fake a mis 7. Bon bah j'ai mis 7, tant pis. Non mais on m'interrompt. Ok, j'ai mis 7. Tu veux finir? Non. D'accord. Hygiène de vie, on sait pas. Bah Ah oui, mais attends, oui, mais du coup ça va l'avantager. Genre deux premières semaines c'était en Yes Life. Ouais. Et après? Après c'était des réveils entre 14h et 15h. Tous les jours? Tous les jours. C'est ma daronne qui me réveillait. Et l'alimentation? L'alimentation, ma daronne qui me faisait à manger. Et elle fait des plats à 100. Je lui mets 8. Je vais appeler ta mère. Oh. Mais gros, tu crois que sa daronne elle va te dire qu'il est dégueulasse? Non, ma daronne. Bah ouais, en fait c'est ça le problème. Sa mère, mais c'est une vraie. Elle est honnête, frère. Ouais, on va lui demander pour ta chambre, c'est les renseignements. Autant lui mettre. Y'a rien du tout dans ma chambre. Y'a rien. Je suis dans le stream dans un salon, frérot, donc non. Allô, bonjour maman Bichou. Oui. Ça va maman Bichou? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va. Vous allez bien? Très bien. Vous regardez le live? Comme toujours. Je savais. On est un peu perplexe par rapport aux notes d'hygiène de vie. Vous en avez pensé quoi, vu qu'il était chez vous? Hygiène de vie, nickel, hein. Je vais être honnête avec vous. Tous les jours, il était effectivement. Il dormait à des heures, je dirais, De une streamer. Fois qu'il finissait. Non. Après le soir, il dormait vers 6h30. Et je le réveillais vers 14h. Il avait du mal à se réveiller ou il se réveillait de bonne foi? Ah non, moi j'ouvre les fenêtres, ça y est. Non, il se réveillait là, voilà. Donc en vrai, plutôt bonne hygiène de vie quoi. Ouais, impeccable. Est-ce qu'un 8 c'est mérité? Un peu plus, franchement un peu plus. Ok, on va mettre un 8. C'est pas parce que je suis la maman mais Oui mais bon, mais parce que c'est facile d'avoir une bonne hygiène de vie quand on est chez sa mère. Oui, franchement ouais. Voilà, moi ce que pour je ça. Souhaite c'est qu'il y ait une continuité une fois qu'il sera à Toulouse. Ben j'espère aussi. Je lui ferai pareil, j'irai lui ouvrir les volets si jamais. Voilà, il faut ouvrir les volets, ouvrir enfin, la porte. Enfin, Julie, elle le fera. Parce que moi je veux dormir. Dans une rame. Ok, ben merci. Merci maman Bichou. Au revoir maman Bichou. Au revoir. Ouais, surchauffe un peu les cams, les refs. Désolé. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que je suis à l'écran. Ben, c'est les deux. On va la relancer en boucle, de toute façon, c'est la fin. Relationnel. Alors là, Bichou. Non, là, Bichou. Ah, là, Bichou, je suis pas content. Non, je suis pas. Moi, pour me défendre, et de toute façon, mon avocat est là quand même, je me défends un minimum. Je vous ai proposé à certains moments, pas Elias et Natos, mais toi et Fake, je vous ai proposé un gars qui est fun. Des fois, je passais, mais vous étiez sur LOL, donc du coup, bah, je pouvais pas parler puisque vous étiez concentré. Preuve à la pluie. T'es passé une fois. Non. Je vais taper votre client, madame. Ne mens pas. Madame, je vais arracher votre client. Toi, dans l'idéal, combien de temps tu aurais voulu rester chez ta daronne? Deux semaines. Deux semaines à peu près. Moi Bichou, à ta place et à ton âge, j'aurais dit à maman, voilà maman, je te donne deux semaines, mais il faut que tu me laisses si rester un peu avec mes. Mais ça n'a rien à voir, c'est ma maman qui veut me voir. Je sais, mais ma mère elle veut me voir aussi. Oui mais ma mère aussi elle veut me voir. Ma mère aussi elle veut me voir. Voilà. D'accord. Voilà. Sauf que mais dans fait. OK. Vous pouvez continuer de parler. Okay, mais, sauf que moi j'ai vraiment une relation spéciale avec ma maman. Oui, comme tout le monde. Okay, ouais. Sauf que n'oubliez pas un truc. Objection. Donc certes, peut-être que vous aussi vous voulez être en famille, etc. Il me semble que toi aussi souvent tu montes à Lyon voir ta famille. Deux jours, ouais, deux trois jours. Bon, deux jours tous les deux mois. Là, c'est une fête particulière qui veut fêter en famille. Mais voilà. Non, il veut pas. C'est sa mère qui veut. Non, il veut aussi. Mais il veut deux semaines. À 17 ans, l'année dernière, vous m'avez arraché des bras de ma daronne. Oui, c'est vrai. Sa mère elle a laissé. Donc ça veut dire que ma daronne n'a pas spécialement pu. Non, il est venu à 18 ans. T'es venu à 18 ans. Je suis jamais venu à 18 ans, bande de fous. Ah bon? Mais t'allais les faire dans une semaine, genre. Ah ouais, il a fait. Je les avais fait un peu, mais oui. Genre, j'ai eu mon bac. Sa mère, elle a déjà laissé partir son fils à 18 ans de la maison, comme ça, cash, tu vois, se livrer à l'aventure. On peut lui accorder un mois. J'ai le cœur brisé, mec. Il nous a supplié de venir et vient de dire qu'on l'a arraché des bras. Non, mais t'as capté, le mot était fort, mais pour ma daronne, c'est un peu. C'est vrai, ça commence à arracher de venir. Oui, frère. Mais ce mec, tu pouvais même pas live chez toi. Tu pouvais même pas parler chez toi. Honnête, tu chuchotais, c'était frère. Une époque formidable. T'étais sur Discord avec nous, on faisait un débat, oui. On a parlé de la jalousie, on a dit. Et il mettait ça, il mettait ça comme queue comme ça. Et il parlait tout doucement et on parlait de la jalousie. J'ai Bichou et on a dit bon, vas-y. les viewers m'ont donné une carrière. Ouais, franchement, et que je regrette vraiment pas. Bon. Bichou, c'est moi ou ta daronne? C'est ma daronne. Bichou, c'est Julia ou ta daronne? Maman, je terminerai pas ma vie avec toi.
Ok, ça marche. Bichou, moi personnellement, je te mets 4. Quoi? Parce que t'aurais pu faire un énorme, beaucoup plus d'efforts puisque oui. t'étais à distance. Oui. Moi, quand je suis à distance, j'essaie d'aller sur les streams de tout le monde. Mais du coup, je te mets 4 parce que deux fois, c'est pas suffisant. Tu m'as jamais envoyé de message, etc., ouais. etc. Donc, je suis un peu déçu. Ben, moi, en gros, pareil. Je te mets 5, un peu mieux que Nathéos, mais 5 parce que frérot, ouais, je vais te faire foutre. C'est sérieux, mais en fait, on était potes par intermittence. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais de la vie, frère. J'ai pensé à vous sur plein de trucs. En fait, on est là, t'as prouvé qu'on était vraiment que tes collègues de travail. Et mais nique ta mère, toute l'année, je te dis, t'es mon frère, toute l'année. Je suis ton collègue de travail. Non, mais y a en fait... Ça c'est vrai. Oui, mais justement, là il l'a prouvé parce que là il est parti. Et genre frérot, t'as pas essayé de venir. Mais avec je te l'ai pas prouvé. Mais bien sûr que non, je l'ai pas prouvé. Et c'est parce que tu l'as fait. Deux fois, t'as fait un acte prémédité où t'as volontairement fait genre semblant de te rapprocher de nous pour pouvoir sortir l'argument que c'est de classe. Que ça compte, Bichou. La vérité, c'est que hormis quand on mettait dans la convo WhatsApp, allez venez manger, et que tu marquais j'arrive, que tu faisais ta petite blague tous les soirs, tu vois. Eh ben hormis ça, frérot, on t'a pas vu. Mon gland sur vos joues. Attends, note là. Du staff, Samuel, t'as mis 4. Qu'est-ce que tu lui as fait à Samuel? Je t'assure un truc, hein. T'as dû lui faire galérer sur des trucs et tout. Regarde, hein. Je t'assure d'un truc, je n'ai rien fait à Samuel. On a qu'à lui demander? Oui, Samuel, ça va? Ouais, tranquille. Tu regardes le live? Ouais, bah oui. Ok, tu peux nous expliquer pourquoi le 4? Parce qu'il a un petit souci d'entreprise depuis genre un mois, genre. Ah oui, c'est bah ah oui, bah oui. Mais j'ai rien à voir là-dedans. Qu'il écoute pas les conseils que je lui donne alors que on est cordas sur ce qu'on lui a dit Thomas et moi. Oh, on a oublié fake. Fake ta note, pardon. Oh bébé. Il y aura pas de note. Si. Allez, mais 5. Non, il lui avait mis 2. Il lui avait mis 2, pourquoi 2? Allez, vas-y frère. 2 parce que c'est ce qu'il mérite vraiment, vous êtes tous des suceurs. Okay, mais attends que je vais même pas m'attarder là-dessus. Frérot, actuellement, tu vas même pas rester 24 heures avec nous. Va te faire enculer. D'accord, mais ça n'a rien à voir. Tu ne nous as même pas offert 24 heures, mec. Même pas 24 heures. C'est ça que je te reproche, je m'en fous. Mais on compte ça du 1er mai. On compte pas ce mais frérot, je m'en fous. Ok, c'est pas grave. C'est toi, c'est parce qu'il t'apprécie et qu'il voulait te voir. Si jamais, voilà, c'est parce que. En vrai, c'est parce que tu nous manques. Tu t'as manqué. Regarde ce qu'il a pété un plomb, Thomas. Il m'a rasé les cheveux parce qu'il a pété un plomb. Oui, mais tu sais que c'est un petit. Tu sais que j'ai un amour agressif. Ah, t'as un amour agressif, tu vois. Je vais te couper les cheveux. Tu t'es demandé quoi tout à l'heure? Tu t'es dit, est-ce qu'on pourra se bagarrer après? Oui ou non? Je ne me battrai pas avec toi, Thomas. Mais je te l'ai demandé ou pas? Tu me l'as demandé, oui. Et je t'ai dit, tu m'as manqué, on pourra se bagarrer après. Tu m'as fait un câlin aussi. Mais tu m'as rasé les cheveux en période d'été. Ouais, mais il y a le Covid dans du coup, cas, attends, de mémoire. J'en merde, le Covid. Mehdi lui avait mis 7 et Jules lui avait mis 4. Oui. Ce qui nous fait une moyenne de 5. Mais en quel honneur, Jules, tu me mets 4? Bah, t'as pas vu. Tu as fait ton meilleur conseil de classe. On va passer aux moyennes générales. Vous pouvez venir là, les autres avocats. Ouais, les avocats. Oui. Avocados. Du coup, on a la comptabilité qui est en train de faire les notes. Comme la dernière fois, vous tweetez avec les gages que vous voulez. Nous, on en choisira un et on le fera pour le prochain. Mais du coup, on va le décaler vu que la tenue elle a pas été reçue. Vas-y, viens, fais une photo. Impeccable. Je vais demander s'il vous plaît la note de Nathéos. Oh, ça allait vite. Alors, YouTube 1,75 sur 10. Instagram 9,63. Franchement, tu pars bien. Twitch 8,63. Sociabilité 8,13. Hygiène de vie 9. Taf 9. Ce qui te fait une moyenne de 7,69. Franchement, c'est bien. Et on rappelle encore une fois que tous ceux qui sont dans la pièce ont fait des tests de coronavirus. Je voudrais s'il vous plaît les notes d'Elias. YouTube 7,5, Instagram 8, Twitch 9,68. T'es un baiser. Sociabilité 8,15, hygiène de vie 7, taf 8,66, ce qui te fait une moyenne de 8,16. Et donc tu es pour l'instant premier devant l'Inters. Je voudrais s'il vous plaît. Non mais attends, mais le rouge à lèvres, non mais sans déconner quoi, le graphiste, sérieux. Non mais frérot, j'ai bouffé un fion ensanglanté ou quoi? Avec les tétons. Je voudrais s'il vous plaît la note de Bichou. YouTube 6,5, Instagram 8,25, Twitch 9,08, c'était bien. Sociabilité 4, hygiène de vie 8, staff 5,10, ce qui te fait une moyenne, Bichou, de 9, crois-le. C'est impossible, mais j'ai toujours eu 3 en maths, mais frère, à chaque fois que tu mentais. Qui te fait une moyenne de 6,8. Terrible. Bah tu es pour l'instant dernier là, attends. Je suis horrifié même. Ma note. YouTube 8, Insta 6,88. Twitch 9,75, what the fuck. Sociabilité 8,48, hygiène de vie 6,83 et staff 8,5, une moyenne de 8,07. Ah, t'es deuxième. Je suis deuxième, ouais, quoi. Quoi? Ah, le bâtard, il va le faire. Oh là là. Quoi? GG, il y a 8, c'est insane. GG, attends, t'as 8, combien? 8, 16. 16, ouais. Mais quoi? Le meilleur avocat. Mais non, mais je pouvais pas gagner, c'est impossible. Je voudrais, s'il vous plaît. Attends, combien il avait eu, Bichou? 6, 18? 6, 8, 80. Ok. Je voudrais un autre de fake, s'il vous plaît. Ouf. Regardez pas. Ça donne envie, ça, le bâtard. Oh, ça donne envie de fou. Hein. Là, il s'est passé. Allez, parle, chacun. Là, il se passe. Ils savent tous en plus. Ouais. YouTube, 5 sur 10. Instagram, 6,38. Twitch, 5,75. T'es mort. Sociabilité, 8,83. Hygiène de vie, 7,33. Staff, 8,83. Est-ce que tu penses? Impossible. Bah ouais. Malheureusement, fake, tu es l'avant-dernier puisque tu as 7,02. What the fuck?
Tu n'es pas dernier. C'est le pire conseil de classe en termes d'objectivité, sachez-le. Voilà. Mais t'es pas là, mais t'es pas là. Je tiens vraiment à le préciser. Et voilà, je le pense vraiment. Ce qu'il a sauvé, c'est la sociabilité et staff. Ah oui, il était là. Dédicace à Walito. Merci, beau gosse. Oh, c'est grâce à toi. Le TikTok, Reiko. Je vous oublie pas. La vidéo. On a charbonné. Non, ce mois-ci, c'était un braquage. On a charbonné. On a charbonné. Il a fait top 1. On a réussi, sa grand-mère. Je pensais que j'allais dernier. Oh, au fin fond. Au fin fond, frérot, rouge avec 50 heures sur Twitch. Et ben regardez où j'en suis. L'avocat, fils de pute, remercie-moi. Oh, sa grand-mère, panique ta mère, lui, il m'a trop mal défendu. Il pue sa mère, il m'a fait couler. Bien joué, Elias. Force à toi. Bien joué, Elias. Franchement, Elias, la vérité. Tu m'as gagné et malgré mon esprit de compétition, eh ben, je tiens à te dire que c'est 100% mérité, je suis très content pour toi. Wow. Et Bichou, malgré l'amitié que j'ai pour Fake, eh ben, je tiens à te dire que c'est 100% mérité et que je suis content pour toi aussi. Ah bah. Partez, quand. Moi je trouve pas que c'est mérité, mais. Non, Bichou, mais vraiment, Bichou. Je le pèse, hein. Bichou. One Max n'est pas mérité ce classement. Oh ce classement il est frauduleux. Écoute Bichou, sache que le mois dernier, Fake m'a mis 6. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi live. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci Bichou d'avoir fait 10 heures de train pour être le bonnet d'âne. Comme d'hab, hein. Oh là là, j'avais pas pensé à ça. 20 heures de train d'ailleurs, parce qu'il y a le retour aussi. Merci beaucoup Bichou d'être venu. Tu reviens quand tu veux dans la Gilos. Merci Julia, merci Moustaki, merci Loli. Loli, de toute façon, toi t'es là. Merci Franklin la Tortue. N'hésitez pas à tous les suivre sur leur réseau. Ils streament tous, je crois. Abonnez-vous. Tous des streamers, quoi. Julia, la gote des meufs. Johan, le gote des mecs. Voilà. Ok, ouais, bon. Julia, la dernière meuf aussi, au passage. Après, Julia, avait plus de trucs à défendre. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Gros bisous. Et à demain, les frères. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.